en direct. On se connecte. On est dans le bus spirituel. Erian Kerebo Sayon de Bel. David, gloire au prince de paix, au Seigneur des Seigneurs, au Dieu de la vie. Et il est rebocha. On se connecte, et on partage. On est en direct. Le direct du bus spirituel. Voilà, je vais remettre le cantique. On va partager, puis on va rentrer en prière. Bienvenue, bienvenue au direct du bus. Bienvenue, bienvenue, connectez-vous. Enderebolobo shangalaba sayon de gerebo shangerebo sayon de geyon torobosh.
Ekeyanda la basse qui anderi bobo bo shange de yota la basse ido vere bosh. Ekeyande mayonto luba sayonde geyonto bronde shambala bas. Ekeyande yanto biyande libo sayonde prente libo robo 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 robo. Okanda yata malakente shebere beso idagante vere bosh ayonge liyo sayide prente. Egiante maito lukanda baba yeke yonda limo sayonde prente riboro bo shangada yoke de bos. Angere yanta la bakunde ribakonde robo sika yande berebe shayonde pre. Oh esprit de Dieu, prends le contrôle. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivre, c'est toi qui libère, c'est toi qui brise les jougs. Car le spirituel est à l'origine du physique. Tout ce qui est visible a été créé par l'invisible. Appeler à l'existence ton règne, ta présence donne la vie, ta présence crée, ta présence guérit, ta présence libère, ta présence délivre, ta présence restaure, elle nourrit, elle dirige, car tu es la lumière du monde. Seigneur, révèle-toi à nous, bienvenue au direct. Nous devons être des hommes et des femmes spirituelles, nous devons être en communion en permanence avec le Seigneur, avoir une vie de prière. Nous devons méditer la parole, nous devons la mettre en pratique, nous devons nous remplir de sa présence. Nous devons prier, mes frères, mes soeurs. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, de la méditation de la parole. Sois quelqu'un qui obéit à Dieu, qui marche dans ses voies. Bienvenue à ce direct. Et kendere borobo shangala basayon de brenteri on kerobos. Ankanda baba 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 baba. L'Éternel est Dieu. Révèle-toi à nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Révèle-toi à nous, Dieu de la vie. Guéris, libère, délivre, brise les jougs. Et yankin de Boroboche. Ta présence est glorieuse. Ta présence restaure. Tu es Dieu. Tu t'appelles l'étoile brillante du matin. Tu t'appelles l'admirable conseiller. Tu t'appelles le soleil de justice. Tu t'appelles le roi de gloire. Le Dieu unique. Créateur de toutes choses, tu es l'origine, papa. Tu t'appelles le rocher des siècles. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Yahvé Jiré, Yahvé Shama, Yahvé Nissi, Yahvé Tsegenoun, Yahvé Shalom, Yahvé Rafa. Je veux célébrer le Dieu de la vie, je veux l'adorer, je veux le louer, je veux exalter son Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Car ton règne, c'est la vie. Ton règne guérit. Ton règne libère. Ton règne délivre. Jésus. 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 L'étoile brillante du matin. Le Dieu tout-puissant. Celui-là qui a été envoyé afin que l'humanité soit sauvée. Il envoya sa parole. Et il est guéri. Mes frères, mes soeurs. J'ai commencé. Rentrons en adoration. Adorons le Père. Le Saint-Esprit est en train de diriger ce moment. Il est en train de diriger ce moment. Kendere borobolobolobolobolobo. Aïe, kente bayon de chayon de brin. Et qui en de saillon de brin. Jésus, 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 la parole faite chair. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit, il ne mourra pas. S'il meurt, il vivra. Oh Seigneur, tu dis, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu dis, je suis l'eau de vie. Celui qui me boit, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Adorons-le, mes frères. Adorons-le, mes sœurs. Kendere bosha, Kondoro bosho, kondere bashi angi di aseyon de brente ribosha. L'Éternel est Dieu, Kenda se kende yotoro bosha. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue, que tous les peuples viennent au Dieu de la vie. Celui-là qui nous a donné la vie, qui nous a aimé le premier, qui nous a choisi, qui nous a établi, qui nous a envoyé afin que nous portions du fruit et que nos fruits demeurent. Shikayante brente sabarabosh, egiante saide bronto roboroborobo, okanda baba baba baba,
Ikendere boroborobo shikayon de spirit mayon de bre. Ikanta baraba. Oui, on a commencé. Commence à prier maintenant. On a commencé. Okanda baba 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 ribo bo 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 bo. Okayan de ribayon de shai de gren te sheketo robo bo bo bo. Otazinge de yanta barabaraba. Oh, hallelujah. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bienvenue, bienvenue au direct. J'essaie de retrouver le cantique. Le coup de fil là a coupé le cantique que j'étais en train de jouer. Du coup, je le cherche. Amen. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alléluia. Amen. Bienvenue, bienvenue, cher peuple de Dieu. Que la main du Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, qu'il bénisse chacun de vous. Voilà, nous avons commencé en force. Le Saint-Esprit est là, nous allons entrer en adoration. Nous allons élever la voix. Amen. Chacun de nous va dire merci au Seigneur. Voilà, le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce direct auquel il nous connecte. Élevons la voix et prions, élevons la voix. Et quand Arababa Shekerebo Sayon le brain terion korobo shaidigin tamayon te bre, au Kayandarababa ribobo shukayon de saïde grain terion, élève la voix et célèbre le Seigneur. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'a donnée, pour la paix qu'il te donne, pour sa grâce, pour son esprit, pour sa présence. Dis-lui merci de ce qu'il t'a donné la vie, il t'a délivré, il t'a libéré. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous guérit de nos maladies, c'est lui qui chasse les esprits méchants dans nos vies, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui est bon, il est bon, il est bon, l'Éternel est bon. Shikayante brain teriborobo shaidigin, ngayon de speed, mayon de brain terion. Okayon de speed, mayon de brain terion, tereba shaido gonta, mayon de bikin de wesaido lobo kantara barabara baraba sherebosa. Yeyanta yonki di sayonte prente yon korobo shaide gen. O kayanta rababa ribaba she kayondo robo su kayande rebo robo sha. Ayonke rebo shaide gen te spen. Dis merci au Seigneur, dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la paix qu'il te donne. Dis-lui merci parce qu'il veille sur toi et ta famille. Dis-lui merci pour sa grâce dans ta vie. Dis-lui merci. Alléluia. Père éternel, nous te rendons gloire et honneur, nous t'adorons, nous te disons merci. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes le souffle, toi qui nous renouvelles, toi qui nous restaures, toi qui nous guéris. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Esprit de Dieu, à toi la gloire. Merci, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ton onction, merci Seigneur, car tu es bon Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, parce que tu nous as permis de te connaître. Seigneur, tu nous as gardés en vie. Tu as veillé sur nos maisons, sur les nations. Souviens-toi de là où il y a la guerre. Nous ne sommes pas mieux, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi.
et nous demandons pardon pour nos péchés. Et nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Merci. Merci pour la vie. Merci pour nos familles. Merci pour ta protection. Après avoir dit merci, tu vas te repentir, demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tout ce que tu as fait qui n'est pas la gloire de son nom. Tu vas lui demander de te pardonner. Et demander de pardonner à ta famille, à ton pays, au monde entier, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Élevons la voix. O Kandara Bashe Keyon de Saï de Bré. Geyan Terion Teshida Yon Galimo Saï de Bré. Gereyon Tarabarabashe Kerebo Saï de Gin Teshaï de Bront. Geyon Takanta Baba Yoken de Speed Mayon de Gen. Ambio Kanda speaking de Mayon de Skanta Barabarabarabarabaraba. Gereyon Tarion Kerebo Saï de Gin Teshaï de May de Luan Kerebo. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons à tes pieds. Là où il y a encore des imperfections dans nos vies. Lave-nous, pardonne-nous, purifie-nous. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous restaure. Que ton sang nous délivre. Que ton sang nous guérisse. Que ton sang nous purifie. Purifie nos familles. Purifie nos amis, nos connaissances, nos collègues. Purifie nos voisins. Purifie nos parents. Purifie les nations. Pardonne les péchés de ceux qui ne te connaissent pas. Purifie-les. Et ramène chacun à toi, Papa. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. Touche les cœurs, touche les cœurs. Touche les cœurs. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Pardonne, Seigneur, nos paroles, nos manquements. Pardonne les désobéissances. Nous voulons obéir, marcher dans tes voies. Car l'obéissance donne la vie. C'est dans ta parole qu'il y a la vie. Et le fait de vivre en fonction de cette parole, alors la vie s'installe en nous et autour de nous. Et les choses arrivent à l'existence. L'Éternel est Dieu. Purifie les péchés de nos familles. Pardonne aux nations. Pardonne dans le monde entier les abominations, l'idolâtrie, l'incrédulité, la méconnaissance de ta parole et de tes lois. Oh Dieu, révèle-toi et donne la force à nous qui te connaissons de communiquer ta parole, la vie autour de nous, et que le peuple vienne à toi et que tout ce qui respire te loue. Après la repentance, nous allons confier les requêtes. Tu vas demander au Seigneur de t'exaucer tes requêtes, tes sujets de prière. C'est le moment maintenant de prier pour ça. Élève la voix. On doit toujours avoir des sujets de prière. Arrive à la partie des requêtes. Alors on élève la voix et on confie les sujets à Dieu. Au nom de Jésus. Enderebo baba yanganda mayonterebo shikeyondo sota. Ngeyantari kanterebo boshukayande shaide berebende saidugun. Ngereba kanda rababa shikayando lobo boshukayanda baba 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 baba. O kanda rababa shikayanda robo bo 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 bo. Te connaître, telle est ma volonté, Seigneur. Te connaître, telle est ma volonté, Seigneur, telle est ma requête. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Appelle-nous à ton œuvre, consacre-nous à toi. Révèle-nous tes voies, révèle-nous ta parole. Communique-nous la vie, car tu donnes la vie, tu guéris, tu délivres, tu libères.
J'appelle à l'existence le règne de Dieu. Jésus, tu es le roi des rois. Accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos vies. Brise les jougs, papa. Papa, étends ta main dans nos familles, dans nos maisons, dans nos nations et révèle-toi. Que ta parole soit prêchée. Que les vies soient libérées. Regarde dans les nations, là où l'évangile n'est pas encore prêché, Seigneur. Envoie des ouvriers, qualifie-les, équipe-les, donne-leur les moyens. Oins-les, protège-les. Et que l'onction travaille à travers eux. Que les jougs soient brisés. Les forteresses brisées, les hauteurs, les raisonnements, toute pensée captive, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, réponds à nos cris. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions, mes frères, nous sommes au stade des requêtes. Élevons la voix et prions. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, envoie les ouvriers à ta moisson. Envoie les ouvriers à ta moisson. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le prince de paix. Jésus, le lion de la tribu de Judas. Au nom de Jésus, nous crions à toi, papa. Exauce-nous. Accomplis ta volonté dans nos vies. Que nous soyons des semences mises en terre, qui meurent et qui produisent des fruits. Tant que la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, elle ne peut germer et devenir un arbre et produire des fruits. Tant que la graine qui est mise en terre ne meurt, elle ne peut grandir pour produire un arbre, ensuite des fruits. Nous voulons nous abandonner à toi, mourir à ce monde, mourir à nos intérêts, que nos moi soient crucifiés et que ce ne soit plus nous qui vivions, que ce soit Jésus qui vive à travers nous. Nous voulons accomplir ta volonté parfaite. Dirige-nous, papa, conduis-nous dans tes verts pâturages, là où nos âmes trouvent la paix. Là où nos âmes trouvent la restauration. Là où nos âmes trouvent la vie. Là où nos âmes sont restaurées. Là où elles sont guéries. Seigneur, exauce les sujets de tes enfants. Exauce les requêtes de tes enfants. Réponds à nos cris, papa. Réponds à nos cris, papa. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu dis, tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons. Nous cherchons l'Éternel. Dans la prière et la consécration. Dans la prière, nous te cherchons. Révèle-toi à nous, Seigneur. Réponds à nos cris. Réponds à nos appels. Réponds à nos prières. Toi qui dis seulement un mot. Toi qui dis seulement un mot. Et l'exaucement est là. Tu es tout puissant. Seigneur, voici les sujets de chacun. Pose la main dessus. Dis seulement un mot pour que les choses arrivent à l'existence. Toi qui guéris, toi qui libères, toi qui délivres, toi qui guéris. Merci, papa. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Après les requêtes, nous allons rentrer en combat spirituel. Nous allons chasser tout mauvais esprit de nos vies, de nos intérêts, de nos familles, de la vie de nos enfants, de nos réalisations, de nos projets, de nos finances, loin de nos santé. Nous allons les chasser loin de nos couples, de nos futurs mariages,
Nous allons les lier, ramener dans l'abîme des ténèbres et appeler à l'existence du règne de Dieu. Prie maintenant, va en guerre. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sera délié. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais en guerre contre tout ce qui s'oppose à vos croissances spirituelles, à vos projets, à vos santé, à vos familles, à vos organisations, à votre travail, à vos projets, à vos finances. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Tout projet maléfique contre vous est anéanti. Toute paresse spirituelle est anéantie. Dieu vous enflamme dans la prière. Dieu vous enflamme dans sa volonté. Dieu vous donne une santé à la gloire de son nom. Que toute maladie en préparation soit détruite à la racine, éradiquée, consumée par le feu. Que tout règne du diable soit ramené dans l'abîme des ténèbres. Que la puissance de Dieu maintenant localise chacun de vous. Afin que là où il y a une œuvre démoniaque en marche, que cette œuvre prenne fin. Que les démons à la base soient liés et ramenés dans le feu au nom de Jésus. Je les chasse de vos vies, je les chasse de vos cœurs, de vos âmes, de vos esprits, je les chasse de vos corps, de vos santé. Toute maladie, tout règne du diable, toute organisation de sorcellerie contre vos vies, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je brise les jougs, je brise les jougs, je brise les liens, je brise la malédiction, je brise les œuvres sataniques. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les jougs soient brisés, que les jougs soient brisés, que les liens soient brisés, que la malédiction soit brisée, que tout ce qui s'oppose à votre avancée soit brisé. Que toute œuvre des démons soit anéantie. Toute confrérie est mise en déroute. Il a dit dans sa parole qu'ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par sept. Ils seront mis en déroute. L'Éternel les combat maintenant au nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que toute maladie dans votre corps qui se prépare soit anéantie au nom de Jésus. Que tout programme contre vous et vos familles, soit tout programme diabolique, soit anéanti au nom de Jésus. Que tout esprit d'accident, de mort prématurée, de maladie, d'hospitalisation, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'annule au nom de Jésus. Que toute mauvaise nouvelle soit annulée au nom de Jésus. Que toute flèche en plein vol contre vous et vos familles soit brisée au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet au nom de Jésus. Que toute langue qui s'élève en jugement contre vous ait maintenant la honte. Qu'elle soit clouée au nom de Jésus. Qu'elle soit clouée au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse. Tout genou des ennemis fléchisse maintenant. Tout genou fléchit maintenant au nom de Jésus. Recevez la délivrance, recevez la victoire, recevez la puissance. Que le Seigneur libère vos vies, qu'il libère votre santé, qu'il libère vos mariages, vos enfantements, vos projets, vos finances, qu'il libère vos réalisations au nom de Jésus, qu'il libère vos diplômes, vos examens à passer cette année, qui libère vos carrières artistiques, sportives, quelle que soit la destinée qu'il vous a donnée, quel que soit l'appel dans vos vies, que les liens soient brisés, que les chaînes soient brisées, que les barrières soient ôtées. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, au nom de Jésus. Les barrières des ténèbres sont brisées. Les barrières des ténèbres sont brisées.
Les barrières démoniaques sont brisées. Les barrières diaboliques sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Alléluia. Recevez la vie. Recevez la protection. Recevez la puissance de Dieu. Recevez son règne. Recevez sa gloire. Recevez son esprit. Recevez sa présence. Maintenant, nous allons proclamer la vie. Nous allons proclamer la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la richesse, la prospérité, l'élévation, la réussite dans la vie, aux examens, le succès à tous les niveaux. Parce que c'est ce que Dieu veut. Appelons à l'existence. Appelons à l'existence. Appelons à l'existence. Au nom de Jésus, on taï kanda baba baba, ere bobo bobo bobo, o kanda raba baba baba, on derian teri borobo, o kanza baba rion terebos, akayan de saï de lion, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, lorian keribo chan terebos, ayan kerio toroborobo, o kanda baba baba baba. Ibere bere 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 be, o kandere bo shikayon, akezion terion torobo, o kezayon tiribo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'appelle à l'existence le règne de Dieu. J'appelle à l'existence la vie de Dieu. J'appelle à l'existence la paix de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, prenez maintenant l'onction qui est dans ce temps de prière. Prenez l'onction qui est dans ce temps de prière. Prenez l'onction de guérison qui est là. Prenez l'onction d'ouverture de portes. Prenez l'onction de brisement de liens. Prenez l'onction de la fin des malédictions. Prenez l'onction de la guérison qui est là. Prenez l'onction du miracle qui est là. Prenez l'onction du miracle qui est là. Que ce moment de prière soit l'ouverture des portes dans vos vies. Que ce moment de prière soit la guérison maintenant dans vos vies. Que ce moment de prière soit le brisement des jougs. Que ces portes qui vous résistaient depuis longtemps s'ouvrent. Que les murs de Jéricho tombent. Que les murs de Jéricho tombent. Que les murs de Jéricho tombent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout territoire qui était à vous tombe maintenant entre vos mains. Tout Goliath est terrassé. Tout Goliath est terrassé. J'appelle à l'existence la paix de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, sa présence, sa présence, sa présence. Recevez son feu, recevez sa puissance, recevez sa gloire, recevez son règne. Jésus, le roi des rois, Jésus, la vie de Dieu, Jésus, le pain de vie, Jésus, la guérison des nations. Jésus, l'échelle qui relie le ciel et la terre. Jésus, la réponse à nos questions. Jésus, la victime expiatoire pour nos péchés. Jésus, la parole envoyée sur terre afin de nous reconnecter à Dieu. Il a le ministère de la réconciliation. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le lion de la tribu de Judas. Jésus, l'époux de l'église. Nous irons aux noces de l'agneau. Jésus. Jésus, la lumière du monde. Jésus le bon berger, Jésus le pain de vie, Jésus l'eau de vie, Jésus la résurrection et la vie. Jésus, Jésus, alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, ces moments que nous faisons, ces moments que nous faisons comme ça, dans la présence de Dieu, ce sont des moments très, très, très importants
que chacun de vous doit après mettre et puis prier avec. Vous mettez, vous priez avec. C'est ça que chacun de vous doit faire. Alléluia. Donc, ce sont des moments très, très, très importants que vous pouvez, puisque ça reste en ligne, vous pouvez rejouer ça et vous prier avec. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous parlez au Seigneur. Ouais, ce sont des moments très, très forts. Et quand c'est comme ça, la vie de Dieu est là, la présence de Dieu est là, le règne de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Voilà. Dieu est bon. Ce moment est glorieux. Je sens une onction de guérison. Je sens une onction de miracle. Je sens une onction d'ouverture de porte, de brisement de joug. Reçois ton miracle maintenant. Je ne sais pas ce que tu attends, mais reçois ton miracle maintenant. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Qu'il ouvre ces portes-là devant vous. Il tient la clé de David. Il ouvre, personne ne fermera. Il ferme, personne n'ouvrira. Recevez la vie. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance qui libère. Recevez la puissance qui délivre. Recevez la gloire de Dieu. Recevez le règne de Dieu. Recevez sa présence. Recevez son onction. Ikayande rebo shakanta baba baba. Ibaba ribo bo shokayande spiri mai. Eyande riante rebo robo robo. O kanta baba 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 baba. Ibere bere bianke rebo shaidege. O kanda raba baba baba baba. O kanda riba ba shekere bosa. Igeyante shaide brente rion korobosa. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la puissance qui guérit. Recevez la puissance qui délivre. Recevez la puissance qui libère. Recevez sa présence. Recevez le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Que sa puissance soit votre partage. Recevez son règne. Recevez l'ouverture des portes, les brisements des jougs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est bon. Voilà, on va louer le Seigneur et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager, peuple de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu reçois, tout ne t'appartient pas. Il y a une partie qui doit revenir au Seigneur. C'est comme quand tu manges un fruit, tu dois remettre en terre le noyau ou les graines qui sont dedans. Tout ce qu'on reçoit, il y a une partie qui doit revenir à Dieu. C'est ça la dîme. Tu ne peux pas être engagé avec Dieu pour avoir une vie de prière, une consécration, une révélation. Et puis tu ne rentres pas dans l'alliance de la dîme. La dîme est une alliance. Pour dire au Seigneur, je suis un peuple circoncis. Tout ce que je reçois là, je coupe. Une partie te revient. Tout ce que je reçois, je coupe. Une partie te revient. C'est ça la dîme. La dîme, c'est la circoncision. Nous sommes un peuple circoncis. Aujourd'hui, la circoncision, ce n'est pas dans la chair. Tout ce qui est à nous, on coupe une partie, ça revient à Dieu. C'est comme ça. Ton temps de sommeil, tu dois couper. Il y a une partie où tu dois te lever la nuit pour prier. Ton temps dans la journée, tu dois couper. Il y a une partie dans la journée où tu dois prier. Ton temps de nourriture, tu dois couper. Il y a une partie où tu dois jeûner. Tout ce qui est à nous, on coupe. Nos finances aussi, on coupe. Nous sommes un peuple circoncis. Tout ce qui est à nous, il y a une partie pour Dieu dedans. Donc, tu ne peux pas donner tout ça sans donner ce qui est financier. Voilà. Parce que c'est la dernière chose dans la consécration. Souvenez-vous du jeune riche. On dit, tu fais ceci. Il dit, oui, je fais. Il faisait tout. Mais arrivé sur l'argent, il s'est retourné. Il y a beaucoup comme ça. Ils marchent avec le Seigneur. Mais arrivé sur les lois des finances, ils ne sont pas d'accord. Ils discutent beaucoup. Là, c'est à ce niveau-là qu'ils se retournent. Donner à Dieu régulièrement, non. Ils donnent de temps en temps, de manière ponctuelle, voilà, sporadique. Mais ils ne sont pas dans l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, là, ça veut dire que c'est régulier. Tout ce que je reçois, je dois prélever la part du Seigneur. C'est ça la dîme.
Et l'offrande, c'est toi-même qui décides ce que tu veux donner à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu aimes Dieu, tu donnes. Celui qui aime, il donne. Donc ta dîme, c'est l'impôt céleste. Ça, c'est comme si c'était obligatoire. Tu fais partie du royaume de Dieu, donc on te prélève. Mais lui-même, il dit, viens pas chercher, il dit, trois fois envoyé. C'est ça la dîme. Maintenant, l'offrande, c'est toi qui décides. Ça peut même dépasser la dîme. Tu offres à Dieu. Tu offres à Dieu. C'est comme ça. C'est ça l'offrande. Et comme tu ne peux pas jeter comme ça pour que Dieu prenne, si tu es connecté à l'église La Moisson, si l'église La Moisson t'édifie, l'église La Moisson te nourrit, tu avances, tu comprends beaucoup de choses aujourd'hui grâce au travail que nous faisons, ben, envoie tes dîmes et tes offrandes pour que d'autres aussi puissent gagner ce que tu gagnes à travers ce travail que nous faisons. Parce que c'est d'autres qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes et puis tu nous reçois. Et tu arrives à nous voir, tu arrives à voir ce qu'on aimait. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. C'est comme ça. Donc soutenez l'œuvre de Dieu. L'église La Moisson en a besoin. Et on a dit que cette année, on a deux grands projets. Nous devons ouvrir l'église La Moisson au Burkina. C'est un projet qu'on va prendre toute l'année. Donc ce n'est pas en début d'année. Chaque fois que vous allez donner, on met de côté. Quand on sera prêt, on va d'abord prendre une salle pour commencer les prières là-bas. Et après, on va acheter la parcelle. Ce sont des projets qui prennent des années. Mais il faut le vouloir, il faut le décider. Chaque fois, on donne, et puis on avance. C'est comme ça. Et puis aussi, on veut acheter une grande parcelle au niveau de la Côte d'Ivoire pour faire un centre évangélique. Un grand centre évangélique où il y aura et formation pastorale et formation des laïcs. Et on pourra y faire des retraites spirituelles internationales. Voilà, ou alors des formations en ligne à partir de là-bas. Jésus-Christ arrive, on doit tout faire en grand pour lui. Chaque église a sa mission, c'est comme ça. Donc si tu es connecté à cette œuvre, ben, il faut faire partie, il faut soutenir pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. On va partir, on va tout laisser sur la terre. Job a dit, nu on est venu, nu on repartira. On va tout laisser sur la terre. Mais là-bas, il dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Ce qui va t'attendre là-bas, là, c'est ta participation à l'œuvre de Dieu. Le fait d'accepter Jésus, ça te donne le salut. Mais pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est ce qui te donne ta couronne. C'est ce qui te donne ta place. C'est ce qui te donne ton grade au ciel. C'est ce que tu auras fait pour l'œuvre, pour que d'autres soient sauvés. C'est ça. Donc, amasse-toi des trésors dans le royaume. Notre contact guichet unique, 0033 7 51 51 25 16. La dîme, là, c'est la pierre. Ton offrande, là, c'est la pierre. La pierre qui sert à bâtir. Bâtir l'œuvre de Dieu. Bâtir ton avenir financier à travers l'alliance avec Dieu. Bâtir tes richesses dans le royaume de Dieu. Mais le diable va te dire que mange ça, mange la pierre, transforme en pain et puis mange. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Transforme la pierre en pain et mange. Quand tu manges la dîme, tu as transformé la pierre en pain, tu as mangé. Quand tu manges tes offrandes, tu les utilises à autre chose au lieu de donner à la part du Seigneur. Tu as transformé la pierre en pain. Ce qu'on devait prendre pour bâtir, là, toi, tu as mangé ça en même temps. C'est le diable qui pousse les gens à faire ça. La pierre qui est pour bâtir, là, il dit mange en même temps. Donc la dîme, c'est la pierre, ça bâtit l'œuvre de Dieu. La dîme, c'est la pierre, ça bâtit tes richesses dans le royaume. La dîme, c'est la pierre, ça bâtit ton alliance avec Dieu. Ne transforme pas la dîme là pour manger ça. Transforme pas la pierre en pain. Comment est-ce qu'on mesure ta croissance spirituelle? C'est ta régularité dans ta dîme. Sinon, prier là, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux louer, c'est bon. Mais quand ce qui est à toi là, tu donnes ça régulièrement au moment où Dieu veut là. C'est ça qui montre que vraiment tu es engagé et que tu es en train de croître. Mais c'est une grande décision. Prenez notre contact, enregistrez ça. Chaque mois, faites parvenir. Tu es commerçant, tu mets ensemble. Le mois fini, tu fais venir. On va avancer dans les projets. On va aussi payer les factures, les charges, les salles qu'on loue, avec tout ce qu'il y a comme facture. C'est vos dîmes, vos offrandes. Mais tu ne peux pas participer, bénéficier et tu ne donnes pas pendant que les autres donnent. On ne va pas t'encaisser, mais Dieu il te dit, mais mon enfant, réagis aussi. C'est comme ça. Et notre contact, écrivez-le pour ceux qui l'ont déjà. 00337 51 51 25 16. 00337 51 51 25 16. Écrivez ça sur YouTube comme sur Facebook. Les autres vont enregistrer.
Il faut l'avoir. Le numéro s'appelle Guichet Unique. 00337-51-51-25-16. N'appelez pas sur le numéro. Écrivez un message, me laissez audio. Quand on est disponible, on vous répond. Ah, je vais faire parvenir ma dîme. Je vais rentrer dans l'alliance avec l'église La Moisson, soutenir par mes dîmes et mes offrandes chaque mois. On va te demander qu'est-ce qui t'arrange. Si c'est virement bancaire, si c'est transfert, si c'est dépôt, Wave ou Orange Money, si c'est Western Union, en tout cas, RIA. Et puis selon ça, on te donne les coordonnées. Et puis tu fais parvenir chaque mois. Et ça sert à l'œuvre de Dieu. Et nous, on a l'esprit en paix pour pouvoir continuer de se consacrer au lieu de penser aux factures. On se consacre et on reçoit la nourriture spirituelle qu'il faut vous donner. On reçoit la puissance à dégager pour faire avancer la vie des autres. Parce que ce n'est pas l'onction que les choses se font. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Donc on doit se consacrer. On doit être des hommes et des femmes de prière. En train d'aller au pied du Seigneur pour recevoir l'enseignement qu'il faut pour que vous, vous puissiez avancer. Donc chacun a son rôle dans la maison de Dieu. Il y a nos droits et nos devoirs. Tes droits, c'est que Dieu te protège. Que Dieu il veille sur toi, qui te donne à manger, qui te donne la paix, qui te fasse avancer, qui te donne la santé et tout ça, ce sont tes droits. Mais tes devoirs là, c'est que tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la Bible et tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Donc il y a droit et devoir, c'est comme ça. Mais nous on veut bien bénéficier des droits, mais devant nos devoirs on ne veut pas les accomplir. Mais si toi tu ne donnes pas tes dîmes, tes offrandes, qui soutient l'œuvre en attendant? Qui soutient si toi tu ne donnes pas pour toi? C'est comme ça. Donc, prenez notre contact et soutenez cette œuvre. Si ça vous fait du bien, faites partie de ceux qui soutiennent pour que ça fasse du bien aussi à d'autres. Sois à jour dans tes dîmes et tes offrandes. Engage-toi. C'est une alliance. 00337-51-51-25-16. 00337-51-51-25-16. Jésus est trop doux. Écrivez le contact, ceux qui ne l'ont pas vont le noter. Chaque fois que tu as des entrées, ce n'est pas seulement ton salaire. On dit tout est revenu. Tout ce que tu reçois, tu enlèves la part du Seigneur. C'est ça la circoncision. Nous, on est coupés. Tout est coupé sur nous. C'est le signe que nous avons un Dieu. C'est le signe que nous avons l'Éternel avec nous. C'est le signe de l'Alliance. Nous sommes un peuple circoncis. Amen, amen. On va passer à l'écoute de la parole de Dieu. L'Éternel est bon. L'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la vie éternelle. Voyez, 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 voyez comme il est bon, il est bon. Quand je suis tombé, il m'a relevé, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri, il est bon. Attaqué, il m'a délivré, oh, il est bon. Humilié, il m'a relevé. Je ne peux cesser de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la joie de parler de lui. Il est bon. Il m'a fait la joie de chanter son nom. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon. Oh, 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 comme il est bon, il est bon. Amen. Nous allons donc passer à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, le mercredi passé, on a commencé un thème, donc on va le continuer. Les décisions importantes à prendre pour croître. Les décisions importantes à prendre pour croître. Mes frères, mes sœurs, vraiment, le thème de l'année, là, il est très bon. L'année de la croissance. Jésus croissait. Amen. Jésus croissait. Donc, nous aussi, on doit croître. Il ne faut pas rester juste au même niveau. Alors, une chose est de naître, une autre est de croître. Si tu es né dans le Seigneur,
Et puis tu restes juste là, tu es né, et puis tu n'avances pas, tu ne grandis pas spirituellement, tu ne découvres pas les lois spirituelles. Bah, tu es un bébé. Tu es un bébé et un bébé éternel. Et tu n'évolues pas, tu ne peux rien réaliser, tu ne peux même pas, toi aussi, produire des fruits. Parce qu'un enfant, un bébé, il n'enfante pas. Hein. Voilà, il faut être mature, il faut être majeur, il faut être adulte pour pouvoir enfanter. Donc, ce qui fait qu'il y a des fruits là, ça ne sort pas de vous. Parce que spirituellement parlant, vous êtes encore bébé. Et un bébé n'enfante pas. Donc, il y a tellement de choses qui sont bloquées dans la vie des gens. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont là, statiques, bloqués, rien n'avance. Donc, les décisions importantes à prendre pour croître. On en avait déjà vu. Je vais les citer encore, puis ensuite continuer. La première décision, on dit « Décide que l'Éternel soit ton Dieu. » « Décide que l'Éternel soit ton Dieu. » On avait dit que tu peux adorer le Seigneur, mais pas comme ton Dieu. C'est-à-dire tu l'adores, tu le suis, tu t'es donné à lui, mais en fait, tu es en train d'adorer le Dieu de quelqu'un d'autre. Par exemple, si c'est ton pasteur qui chaque fois te motive, qui doit chaque fois te rappeler que tu dois prier, et quand tu ne viens pas à l'église, il te cherche, ou bien la femme de ton pasteur, ou bien c'est ta maman, toi-même là, tu es devenu adulte, mais ta maman doit toujours te dire, affaire de Dieu là, il ne faut pas laisser, ah, c'est difficile, il faut t'attacher à Dieu. Toujours ta maman doit t'appeler pour dire, mais est-ce que tu pries même? Est-ce qu'il y a église là où tu es là? Est-ce que tu vas là-bas? Mais toi, tu pries le Dieu de ta maman. C'est le Dieu de ta mère que tu pries. Parce que c'est elle qui te motive à adorer l'Éternel. C'est elle qui te motive à chercher Dieu. Donc l'Éternel n'est pas encore ton Dieu. C'est une décision que tu dois prendre. Que je veux être sérieux avec Dieu. L'Éternel doit devenir mon Dieu. Je ne dois plus être quelqu'un. Je vais toujours prendre les enseignements. Je vais toujours, parce que même moi, j'ai toujours besoin d'être nourri. On est tous à un niveau. Voilà. Mais je vais toujours être nourri, mais je vais dépasser ce stade et je ne vais pas chaque fois vouloir qu'on me tire avant que je n'adore le Seigneur, qu'on me motive. Dès qu'il n'y a plus de motivation, bon, au repos, je ne sers pas Dieu. Quand je suis seule comme ça, Dieu n'est pas mon Dieu. Tu n'as pas encore compris que dans ce monde où on est là, si tu n'as pas un Dieu dans ta vie là, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Ou bien tu vas les atteindre et puis on va te faire redescendre de l'autre côté. Tu gravis la montagne, tu arrives au sommet, puis tu redescends en même temps. Parce que tu n'as pas le niveau spirituel de là où tu es. Des choses vont te combattre. Les sorciers vont te combattre. Les mystiques vont te combattre. Ceux qui voient clair dans le monde spirituel, ils vont te combattre. Des choses vont t'arriver. Que l'Éternel soit ton Dieu. Si vous voulez réussir, là, sachez que sur cette terre, si vous voulez faire des exploits, vous voulez devenir quelqu'un de grand, c'est sur cette terre-là. Il te faut être en connexion avec le spirituel pour que tu puisses t'en sortir. Que l'Éternel devienne ton Dieu. Arrêtons de vaciller. Arrêtons de jouer avec la vie spirituelle. Tu es là. On dit, est-ce que tu pries? Moi-même. À quel moment tu vas réellement être chrétien? À quel moment? Et ça fait qu'il y a des choses sérieuses dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer. Il y a des réalisations que vous ne pouvez pas faire. Parce que s'il faut, ces choses-là, ce sont des niveaux où il faut que Dieu ouvre la porte. Il dit, je tiens la clé de David. C'est la clé de la royauté. Écoute-moi. L'Éternel dit, je tiens la clé de David. J'ouvre et personne ne fermera. Je ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qui tient la clé de la royauté. La dimension royale de la vie. La dimension royale de la vie. C'est Jésus qui tient la clé de David. David était roi. Donc il y a des niveaux de vie là. Si Dieu ne t'a pas ouvert la porte, tu ne rentres pas là-bas. Si tu es dans le monde et puis tu t'es débrouillé, tu es rentré. Des choses vont te combattre. Si tu n'as pas une protection spirituelle, si tu n'es pas connecté spirituellement, des choses vont te combattre. Tu vas retourner à zéro. Et puis on va dire, hey, avant celui-là, il était bien. Celle-là, elle était bien avant. Oh, regarde comment elle a fini. Parce que tu avais un niveau financier. Tu avais un niveau d'impact physiquement. Mais spirituellement parlant, tu n'avais pas un niveau spirituel. Donc ceux qui sont connectés dans le monde spirituel, ils te regardent comme ça, ils te voient que tu es riche, hein, tu es bien. Mais dans le monde spirituel, là-bas, tu es vide. Ils vont te finir, ils vont t'attaquer. Ça fait que des gens, ils sont riches et puis du jour au lendemain, il y a une maladie qui arrive là. C'est comme un trou ouvert qui avale toutes leurs finances.
Et puis, ils sont misérables vers la fin de leur vie. Ils souffrent, ça fait pitié. Parce que tu n'es pas connecté. Que l'Éternel soit votre Dieu. La vie spirituelle, prenez ça au sérieux. L'homme est un esprit dans un corps. On n'est pas juste comme ça. On est des esprits dans un corps. C'est pour ça que quand tu meurs, c'est le corps qui retourne à la poussière. Mais l'esprit qui n'est pas visible, l'esprit est éternel. C'est la place de là où notre esprit va rester de manière éternelle. C'est ça qu'on cherche. La place où on va rester éternellement. C'est ça qu'on cherche en se donnant à Dieu. Et pendant que tu as le salut de ton âme, quand tu marches avec lui sur la terre, tu as aussi la protection, il te dirige, il est avec toi, sa main est avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Arrêtez de boiter des deux côtés. Arrêtez de boiter des deux côtés. Il faut choisir l'Éternel définitivement, qu'il devienne ton Dieu, que tu te consacres, que tu t'éloignes du péché, que tu sois en contact avec sa parole, que tu sois un homme, une femme spirituelle, que tu sois quelqu'un qui aime Dieu réellement, qui marche selon ses voies et qui a la puissance de Dieu avec lui. Chacun de nous doit être un oint dans sa maison. Il dit, chacun de vous est une lampe allumée. On n'allume pas la lampe pour la cacher. Qu'est-ce qui cache ta lampe? Il y en a, ils sont à la maison, c'est que les films, c'est que les séries, c'est que ils sont pas connectés spirituellement. Tu t'es donné à Dieu, tu es né dans le royaume de Dieu. Mais tu as perdu réseau. Tu as perdu réseau avec le ciel, avec le royaume de Dieu. Tellement tu es distrait par les choses. D'autres, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de toucher le peuple. Parce que chacun chez lui a son téléphone. Donc, on peut prêcher dessus. Tu vas, tu prends les enseignements. Mais il ne faut pas que tu sois en train de suivre des choses inutiles. Ça te bouffe toute ton énergie. Et puis après, tu es vide à l'intérieur de toi. D'une vidéo à l'autre, une vidéo de rire. On rigole, on raconte des choses. Et puis à la fin, tu es perdu, tu ne sais même plus où tu en étais, quel projet même. Et puis après, tu vois d'autres ont réalisé des choses, tu es étonné. Mais ton esprit n'était même pas libre pour que Dieu te parle. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que tu libères ton esprit de tout ce qui occupe la place de Dieu, qui fait que tu n'es pas inspiré, parce que Dieu doit résider en toi. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit votre Dieu. C'est pour ça qu'on a mis sur pied le programme. Le bus spirituel. Mais on ne va pas arriver chez vous pour vous faire prier. C'est à vous de prier tous les jours. Est-ce que tu pries tous les jours? On dit de prier au moins pendant une heure, en 24 heures. Est-ce que tu le fais? Vous devez vous discipliner, vous devez faire un effort sur vous. C'est comme on vous donne le cours de manière magistrale. Mais chacun doit faire son devoir à la maison. C'est sérieux la marche avec Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Tu suis Dieu, mais sur le côté. Tu vois la démarche du crabe là. Le crabe, il va sur le côté comme ça. Il y a des gens, leur marche avec Dieu, là, c'est ça. Ils n'ont pas fait face à l'affaire. Ils vont comme ça de côté. À tout moment, ils peuvent courir pour aller de l'autre côté aussi. Ils font face à autre chose. C'est une démarche de crabe. Dans ta marche avec Dieu, là, tu es comme le crabe. Tu avances comme ça. Tu avances comme ça. Tu n'avances pas. Tu ne fais pas face à la chose là, pour aller jusqu'au bout. Attrapez bien la robe du Seigneur. Arrête de jouer avec le péché. Il y a des choses, tu sais que ce n'est pas bon, tu le fais. Il y a des choses, tu sais que ce n'est pas bon, tu le fais. Vous m'envoyez tellement de messages que je regarde, mais est-ce que cette personne-là même, elle a compris qu'elle doit marcher réellement avec le Seigneur? Combien de sœurs dans ce temps m'envoyaient des messages qui se ressemblent? Oui, j'étais avec un monsieur, il dit il va me marier, mais il ne m'a pas encore mariée. Mais comme tous les jours on est ensemble, finalement on a commencé à coucher ensemble. Pourtant je ne voulais pas coucher avec lui, on a commencé à coucher ensemble et... Il y en a dedans maintenant qui m'envoient un message que finalement je suis enceinte. Mais je vais enlever la grossesse. Mais je ne comprends pas les sœurs. Bon, pourquoi tu vas enlever la grossesse? Parce que maintenant je vois que ce n'est pas l'homme de ma vie. Et puis maintenant il ne veut plus de moi. Moi aussi je ne l'aime plus. Et puis maintenant vous voulez vous séparer. Mais il y a déjà la grossesse. C'est à cause de tout ça que Dieu dit. D'attendre après le mariage pour avoir les rapports. Vous vous compliquez la vie. On peut vivre sans rapport sexuel. On peut vivre sans rapport sexuel. On peut même avoir un fiancé et puis on n'a pas de rapport. Marie était vierge, mais elle avait Joseph. Hein? Elle avait Joseph. Marie avait Joseph dans sa vie, mais elle était vierge. On ne dit pas que nous tous, on va aller devenir vierge. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux vous faire comprendre que quand on dit Marie était vierge et puis elle avait Joseph, ça veut dire qu'on peut être dans des fiançailles sans avoir les rapports sexuels. On ne vous dit pas de retourner à votre virginité. Mais c'est pour dire que quelqu'un veut t'épouser. Fréquentez-vous sans rapport. Allez au mariage d'abord. Comme ça, si vous êtes marié qu'après une grossesse.
Mais au moins, l'enfant, il est né dans le mariage. C'est vrai, on dit, ah, mais après, on peut divorcer. Mais au moins, tu avais été marié. Tu avais été marié. Mais vous ne vous mariez pas, vous commencez à coucher ensemble. Après, maintenant, il y a une grossesse. Maintenant, ah, comme on ne s'aime plus, bon, on a vu que ce n'est plus la personne. Maintenant, on veut enlever la grossesse. Quand on dit enlever, là, le mot est simple comme ça, mais c'est pour tuer l'enfant. C'est une vie qui a été déjà fécondée. C'est pour tuer l'enfant. Ce qu'on a fait avant, quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, et puis vous avez avorté là, là, le sang de Jésus a déjà purifié. Mais maintenant, tu es chrétien, bien chrétien, chrétienne. Et puis toi, tu es chrétien, tu dis à celle-là que tu es enceinte, qu'elle n'est qu'à enlever. Quand on dit enlever comme ça, ça veut dire qu'on va aller découper l'enfant. Excusez-moi, mais il faut que je dise les choses. Hein. Si toi, tu étais dans le ventre de ta maman, on t'a découpé là-bas, là, tu seras content. Mais mieux vaut laisser l'enfant naître et puis après, on donne à des familles qui ont besoin d'enfants. Il y a des femmes qui pleurent pour enfanter. Tu peux faire adopter même l'enfant pendant qu'il est dans ton ventre. Tu finis d'accoucher, tu le donnes. Si vraiment tu n'en veux pas. Hein? On dit, on va enlever. C'est simple comme ça. Mais c'est une vie que vous détruisez. Mais c'est pour ça que le Seigneur t'attend après le mariage. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Il y a des soeurs qui m'envoient des messages. Je ne dis pas les noms. Hein? C'est toujours comme ça. Nous, on rend les témoignages sans. C'est anonyme. Comme ça, vous ne savez pas c'est qui. Mais au moins, ça vous édifie. Pour ne pas qu'on aille tous tomber dans les mêmes trous. On peut prendre les histoires des autres pour édifier les autres. Mais on ne sait pas c'est qui. C'est comme ça. Ah, c'est bon de Dieu. Je n'aimais pas la personne. On était en train de prier pour voir si c'est lui. Mais comme toujours on est ensemble, finalement on a succombé. Après ça maintenant, après encore on a succombé. Et finalement, je suis enceinte. Et maintenant on s'est séparés. Maintenant il va enlever la grossesse. Donc moi je te dis quoi? Là tu veux venir chercher la caution, moi il n'y a dit d'enlever. Mais c'est écrit quoi dans la parole? Pourquoi tu veux me poser la question s'il faut enlever? Donc quand moi il a dit oui, enlève. Tu vas l'enlever devant Dieu, ce n'est pas un péché? Non. Si il te dit d'enlever là, tu as péché, j'ai péché. Il y a des grossesses que les gens sont obligés d'enlever parce qu'ils sont malades, il y a des cas. Mais il ne faut pas aller toi-même aller te faire enceinte et puis aller enlever l'enfant. C'est une vie qui veut naître. Hein? C'est une vie qui veut naître. Excusez-moi si on est parti sur ce sujet, mais je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Hein? Hein? À qui Dieu veut parler, je ne sais pas. L'enfant qui est dans ton ventre, il s'est dit qu'il est dans le ventre de sa maman. Je ne veux pas affliger ceux qui ont déjà avorté dans leur vie. Ce n'est pas pour ça. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, là, hein? Dieu ne tient pas compte de ça. Il efface tes péchés de ce que tu as fait avant. Maintenant que tu connais le Seigneur, il ne faut pas aller te débarrasser d'une vie. Et l'enfant qui vient, tu ne sais pas qui il sera. Tu ne sais même pas si c'est l'enfant qui va te consoler un jour dans ta vieillesse qui est là. Tu ne sais même pas si c'est une étoile que Dieu t'envoie. Il faut faire un effort pour garder la grossesse. Même si toi et le papa, vous ne vous aimez plus, il ne veut plus. Mais garde la grossesse. Hein? Garde la grossesse. Combien de mères ont enlevé leurs enfants seuls? Et l'enfant, après, il fait ta joie. C'est vrai, au début, ça sera difficile. Mais après, tu seras heureuse. Donc, je ne sais pas à qui appartient le message, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. On continue. Premier point, que l'Éternel soit ton Dieu. Prenez la décision que l'Éternel soit votre Dieu. Que l'Éternel soit votre Dieu. Deuxième décision à prendre. Bon, pour l'Éternel soit votre Dieu, là, je vais lire. J'avais déjà lu ça, non? Jacob 28, Genèse 28, pardon. C'est l'histoire de Jacob, donc je dis Jacob 28. Genèse 28. J'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui ne connaissent même pas les versets de la Bible. Là. Si je dis Jacob 28, ils vont aller chercher Jacob 28. Hein? La dernière fois, on a bien rigolé avec ça. Si je te dis Seïdou 39, verset 10, tu vas aller chercher Seïdou 39, verset 10. Attention, il faut connaître les livres de la Bible. Si j'ai dit Ludivine 5, verset 3, tu vas aller chercher Ludivine 5, verset 3. Attention, si j'ai dit Moussa, Moussa 12, verset 40, tu vas chercher Moussa 12. Attention, si j'ai dit Seri, Niaoure, Kodjo, Kodjo vit 4, verset 18. Donc, on va lire Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient.
au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Vous voyez, ici, c'était la première apparition de Dieu à Jacob. C'était la première apparition de Dieu à Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob et Ésaü, des jumeaux. Et depuis que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a dit à Abraham de transmettre l'alliance de génération en génération, de parler de lui. Donc Abraham a certainement parlé de Dieu à Isaac. Et Isaac aussi a fait sa rencontre avec Dieu. Et l'Éternel est devenu son Dieu. Donc au départ, il adorait le Dieu d'Abraham, son père. Mais après, l'Éternel est devenu aussi son Dieu. Donc on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Maintenant, Dieu est en train de se révéler ici à Jacob. Et il dit désormais là, je deviens ton Dieu. L'alliance que j'ai faite avec ton père Abraham, ton père Isaac, c'est-à-dire ton grand-père Abraham et ton père Isaac, je la fais aussi avec toi. Désormais, on va m'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel était en train de devenir ici le Dieu de Jacob. Jusqu'ici, c'était le Dieu de ses pères. Mais il devenait aussi le Dieu, son Dieu à lui. Il y a un temps où l'Éternel doit devenir ton Dieu. Même si on ne va pas l'appeler avec ton nom, mais il y a un temps de rencontre. On t'a parlé de lui, mais il y a un temps où toi et Dieu vous rencontrez, où tu reçois ta propre alliance, où tu reçois tes propres paroles, où il te dit, je te donnerai ceci, je ferai de toi telle, telle chose, je t'abandonnerai point. Tu dois avoir tes propres promesses. C'est pour ça que tu dois être une femme de prière. C'est pour ça que tu dois être un homme de prière. On parle de Dieu, mais toi et Dieu, vous devez vous connaître personnellement. Et ce n'est pas qu'on le cherche quelque part, c'est de l'invoquer. C'est d'avoir une vie de prière régulière. Plus tu pries, il se révèle à toi. Il peut se révéler à toi à travers la parole que tu es en train de méditer. Il peut se révéler à toi pendant que tu pries. Tu peux sentir sa présence. Même, tu n'es même pas obligé de t'agiter, hein? Mais tu peux être là, puis tu sens que Dieu est là. Et il te remplit, et il te guérit, et il brille à travers toi. Et le rayonnement de ta vie s'augmente. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que lui, il est la lumière et nous sommes les ampoules autour. Donc finalement, c'est nous la lumière. On brille, mais on brille de ce que lui, il est en nous. Mes frères, mes sœurs, devenez sérieux avec Dieu. Que l'Éternel soit votre Dieu. Arrêtez de jouer avec votre vie spirituelle. Faites un programme et priez tous les jours. Faites un programme et méditez les versets qu'on vous donne pour tous les jours. Faites un programme chaque vendredi nuit. Parlez au Seigneur. Il y en a qui m'ont dit qu'ils font ça même chaque nuit. Mais oui, nous on vous donne des recommandations, mais vous pouvez faire plus. Mes frères, mes sœurs, il y a puissance dans la prière, dans la communion avec Dieu là. Il va commencer à te guider, il va te donner tes paroles personnelles, comme il est en train de le faire pour Jacob. Et là, quand tu lis bien, c'est la même promesse qu'il avait faite à Abraham là. Il est en train de faire descendre ça aussi. Il a fait descendre ça sur Isaac. Il est en train de faire descendre ça aussi sur Jacob. Mais Ésaü était aussi un fils, un descendant aussi d'Abraham. On n'a jamais dit le Dieu d'Ésaü. Ça veut dire que tu peux avoir commencé la marche avec Dieu, mais que l'Éternel ne devienne jamais ton Dieu parce que tu ne rentres pas dans l'obéissance. Pourquoi Dieu s'est-il révélé ici à Jacob et il ne s'est pas révélé à Ésaü? Parce que leur père leur avait donné l'éducation de Dieu. Mais Ésaü n'a pas écouté ce que leur père a dit. C'est dans l'obéissance que Dieu se révèle à toi. C'est dans l'obéissance que l'Éternel devient ton Dieu. Dans l'obéissance à sa parole. C'est pendant que Jacob partait obéir à la voix de son père. C'est sur la route que Dieu s'est révélé à lui. Quand tu seras en train d'obéir à Dieu, il peut se révéler à toi à tout moment. Ce monde que nous voyons, on est obligé d'être de vrais chrétiens. Et de plus en plus que le temps va passer, la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Jésus-Christ n'est plus loin. On ne peut pas dire, c'est d'ici combien de temps. Lui-même n'a pas donné le jour. Mais il dit, quand vous verrez ces signes-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et que celui qui lit fasse attention. Celui qui est sur les toits, qui ne descende pas. Celui qui est dans les champs, qui ne revienne pas au village. Ça veut dire que le niveau que tu atteins là, ne redescends pas. Avance. L'Éternel,
L'Éternel est Dieu. Nous devons l'adorer et nous devons faire de lui notre Dieu. Première décision importante, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans ta vie de prière. Sois sérieux dans la méditation. Sois sérieux dans l'obéissance. Sois sérieux dans tes dîmes et tes offrandes. Arrête de faire comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Ça veut dire que tu peux parler de tout, mais quand tu parles dîmes et offrandes, ils s'en vont. Il y en a même qui se déconnectent en même temps. Et puis après, quand tu finis de parler de ça, ils reviennent encore. Mais tu fuis quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va venir t'arracher? Il dit toi-même apporte. Il dit toi-même apporte. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais au moins écoute. Écoute pour savoir. Et quand tu ne donnes pas quand même l'œuvre de Dieu avant, ça veut dire que Dieu n'a même pas besoin de toi. Et le fait que tu donnes là, c'est toi-même que tu te mets dans l'alliance comme ça. Mais si tu ne donnes pas, il va toujours susciter quelqu'un. Élie, il était en Israël. Dieu l'a enlevé en Israël, il dit va à Sarepta, il a suscité quelqu'un là-bas. Donc, si tu ne donnes pas là, Dieu va toujours susciter quelqu'un à ta place. Mais c'est toi qui auras perdu cette grâce à laquelle il t'appelle. Le donner te fait rentrer dans une autre alliance avec Dieu, dans une autre dimension avec Dieu. Quelqu'un qui décide d'être vraiment réglo avec Dieu, qui décide de faire de l'Éternel son Dieu, c'est quelqu'un qui va commencer même ses dîmes, ses offrandes à être à jour dedans. Parce que ça fait partie de ton engagement. Ça fait partie de ta décision. Ça fait partie de comment tu aimes Dieu, de comment tu veux marcher avec Dieu. Tes offrandes, tes dîmes, ça fait partie. Ta vie de prière, ça fait partie. L'obéissance à la parole. La manière dont tu commences à régler ta vie sexuelle. La manière dont tu commences à régler comment tu manges. Tout. Parce que je veux être le temple du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit mon Dieu. Que l'Éternel soit mon Dieu. Qu'il marche avec moi. Que je sois avec lui et que lui soit avec moi. Qu'on l'appelle mon Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'Éternel venait de signer aussi l'alliance avec Jacob. Première décision. Que l'Éternel devienne ton Dieu. Deuxième décision. Décide d'être transformé. Eh oui. Décide d'être transformé. Beaucoup se sont donnés à Dieu, mais ils ne veulent pas être transformés. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont sortis du monde. Mais le monde n'est pas sorti d'eux. Ils ne veulent pas être transformés. Ils sont la même personne qu'ils étaient depuis qu'ils se sont donnés à Dieu. Écoute-moi. Dieu va te prendre tel que tu es. Mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Dieu va te prendre tel que tu es. Mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Écrivez ça. Que Dieu va me prendre tel que je suis. Mais il ne va pas m'utiliser tel que je suis. Il va me transformer. Entre comment tu étais et comment il veut que tu sois là, au milieu, il aura la transformation. Et très souvent, il va te briser d'abord. Vous voyez qu'on prend les grains de blé. On transforme ça en farine d'abord. Quand ça devient la farine, là, on peut prendre pour faire du pain. On peut prendre pour faire des gâteaux. On peut prendre pour faire des croissants. On peut même faire la glace. On peut faire tout. Toute recette. Parce que c'est devenu la farine. C'est de la poudre. Donc, tu fais ce que tu veux avec. Dieu, il va d'abord te transformer. Et que tu deviennes une farine. Pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. La forme qu'il veut te donner, là, il va te la... Mais il va d'abord te briser. Il y a des choses qu'il va te dire, laisse. Il y a ça, là, il va te dire, ne fais plus ça. Tu es maintenant à ma disposition. Quand je t'ai envoyé sur terre, là, ce pourquoi même je t'avais envoyé là, laisse-moi maintenant te guider vers ça. Mais pourquoi est-ce que souvent on n'y arrive pas vite? Mais parce qu'on ne veut pas se laisser transformer. Il y a des choses que Dieu va te dire de laisser, tu ne veux pas laisser. Il y a des comportements qu'il va te dire de ne plus avoir, tu ne veux pas. Donc tu tournes, parce qu'il faut que tu sois la version de ce qu'il veut là, avant de te faire entrer dedans. Si tu n'es pas la bonne version, tu rentres, tu ressors. Je vais vous donner un exemple. Si Dieu veut, par exemple, vous voyez le cas de Moïse. Moïse, le travail qu'il devait faire là, diriger le peuple d'Israël, il fallait qu'il soit très patient. Il fallait qu'il soit très patient. Parce que c'était un peuple au cou raide. Donc lui, sa destinée là, c'était d'aller les chercher pour les envoyer de l'autre côté. Mais à tout moment, ils voulaient le lapider. Tellement ils sont difficiles à vivre. Donc Dieu a pris Moïse pour l'envoyer d'abord. Pour surveiller d'abord les moutons. C'était son stage. Il a fait des années, 40 ans. Et il est venu aussi faire même 40 ans là, pour surveiller le peuple de Dieu. Donc, je ne dis pas que pour nous, va durer 40 ans. Eux, ils vivaient longtemps à leur époque. Donc, Dieu, il harmonise les choses par rapport à ça. Mais si toi, tu veux
rentrer dans ta destinée puis ressortir parce que tu n'es pas la version qu'il faut. Tu n'as pas acquis les qualités que tu devais acquérir avant d'arriver là. Pour Moïse, là, c'était qu'il devait sortir Israël d'Égypte pour les envoyer à Canaan. Il avait besoin d'être un homme patient. Il avait besoin d'être un homme organisé. Il avait besoin d'avoir de l'expérience. Dieu l'a envoyé d'abord diriger les moutons. De la même manière, si par exemple, le Seigneur, tu te convertis à lui, il veut te faire entrer dans le mariage, il veut te donner du travail, il veut te permettre de t'installer quelque part, il veut te permettre de réaliser telle chose, il veut te permettre d'impacter tel groupe. Alors, les qualités qu'il te faut pour le foyer là, les qualités qu'il te faut pour le travail là, les qualités qu'il te faut pour pouvoir impacter tel groupe de personnes, pour pouvoir créer telle entreprise, pour pouvoir sauver tel groupe de personnes. Peut-être que c'est les veuves, les orphelins que tu dois aider. Peut-être que c'est les sans domicile fixe. Peut-être que c'est les prisonniers. Peut-être que c'est les malades. Donc, ta destinée, là, elle est là. Mais toi, tu dois être la personne qui va avec ça. Donc, au milieu, là, il doit te transformer. Donc, tu dis, ah, depuis là, je ne me marie pas. Mais peut-être que tu n'es pas la version du mariage, là. Donc, il te fait tourner encore pour te former. Parce que tu as rentré dedans, tu as ressorti. Il y a des gens qui sont rentrés dans le foyer, ils sont ressortis. Quand ils se disent que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, ça pouvait être la volonté de Dieu, mais toi, tu n'étais pas la version de la personne qui pouvait rester là-bas. Dis-moi amen. C'est ça. Décide de laisser Dieu te transformer. Sinon, tu peux rentrer dans ta bénédiction puis ressortir. Parce que tu n'as peut-être pas les qualités qu'il faut. Peut-être qu'entre-temps, Dieu voulait te rendre doux. Dieu voulait te rendre douce. Quand on dit qu'on est doux, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Jésus, on dit quoi? On dit lion de la tribu de Judas, puis on dit agneau. Il est l'agneau de Dieu, il est le lion. Il a les deux caractères. Il y a des moments où il faut manifester le lion. Il y a des moments où il faut manifester l'agneau. Mais toi, c'est lion, lion, lion. Il n'y a pas même un jour où tu as un peu d'agneau. Il n'y a pas un jour aussi où tu es lion, tu es toujours agneau, agneau, agneau. Non. Donc, quand le Seigneur, il te forme, il met les deux caractères en toi. Devant une situation, il peut te dire, non, ça là, il faut réagir, il faut faire comme ça. Sans insulter les gens. Jésus, quand il a chassé les gens du temple, il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit, vous ne devez pas vendre ici, les amis, dehors. Il y a des choses qu'il faut mettre dehors de sa vie. Il y a des plaisanteries auxquelles il ne faut pas s'associer. Là, c'est le lion qui réagit. Tu es en train d'éduquer ton enfant, tu vois que l'enfant est en train de faire des choses, il est en train de dévier. Ce n'est pas que tu vas être violente envers lui, mais tu dois durcir le temps pour le ramener sur la voie. Sinon, demain, il va vous ramener des problèmes, il va gâcher sa vie. Là, le lion doit se manifester. Tu dois éduquer cet enfant, tu dois le régler. Et quand il est gentil aussi, et qu'il a eu de bonnes notes, qu'il travaille bien, qu'il est bien éduqué, il est sage, alors en ce moment aussi, le côté agneau, et tu es doux avec lui, tu lui manifestes l'amour. Plus d'amour que de choses dures. Mais c'est quand on voit qu'il veut sortir de la voie, allez. On devient dur, on le ramène sur la voie. Et plus tard, quand il devient adulte, il a toutes ses qualités, il te dit merci papa, merci maman. Mais sinon après, tu fais un individu penché dans la société, il crée problème à tout le monde. Donc, si le Seigneur veut te donner ces qualités-là et que tu refuses d'être transformé, la mentalité que tu avais depuis que tu es né, l'éducation qu'on t'a donnée, on n'a pas dit que notre éducation n'est pas bonne. Mais souvent, il y a des choses qu'on a pu acquérir même pendant notre éducation, mais qui ne vont pas dans le plan de Dieu. Qui ne vont pas dans le plan de Dieu. Donc, le Seigneur va devoir transformer cette mentalité-là, devoir transformer ce caractère-là pour que tu sois la version de ta destinée. Il faut que tu laisses Dieu te transformer. Il y a des choses, Dieu va te dire ça, il faut laisser, ce n'est pas grave. Chaque fois que quand tu as une vie de prière, chaque jour Dieu va te parler. Il va te parler à travers la parole que tu as méditée. Il va te parler à travers sa voix à l'intérieur de toi. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Et il y a des fois, le Saint-Esprit te parle, mais tu ne discernes même pas sa voix. Mais parce que tu n'es pas habitué à lui. Tu n'as pas une communion régulière avec lui. Donc, tu ne sais même pas quel moment il t'est parti. Quelque chose m'avait parlé. Hein. Tu ne sais même pas que c'est le Saint-Esprit. Tu t'es tombé dans le piège alors qu'il est en train de t'avertir. Parce que tu n'es pas habitué à lui. Alléluia. La deuxième décision, c'est ça. Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Souvent, tu es dans ton foyer. Il y a des problèmes dans le foyer. Peut-être parce que tu n'es pas transformé. Et tu penses que c'est l'autre qui doit changer. Tu penses que c'est l'autre qui doit changer. Mais toi, il faut d'abord changer. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites vous-même pour eux déjà. Faites-le de même. Ça veut dire que toi-même commence. Fais de ça une sémence. Ah, ma femme, elle ne m'aime pas trop.
Mon mari, même pas trop, il n'est pas mes petits soins. Le Seigneur dit, laisse tout ça. Toi-même, commence à lui faire ça. Ce que tu veux qu'on t'efface là. Comme il n'y en a pas, il faut commencer à s'aimer. Celui qui sème, il récolte. Commence à s'aimer ça. C'est ça le secret. Ah, mais fais pas les cadeaux. Mais toi, commence à faire cadeau. Comme ça, il n'y en a pas. Donc, il faut s'aimer. Et quand on sème, il faut être patient. Un temps va arriver, ça va pousser. Souvent, ça ne pousse pas. Et puis après, ça fait rattrapage. Un jour de faveur dépasse des années de labeur. C'est comme ça. Dieu rattrape. On ne sème jamais dans le vide avec Dieu. Même tes dîmes, tes offrandes que tu donnes, ce n'est pas perdu. Tu crées un cycle. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. On ne donne pas à Dieu à perte. C'est comme ça. Mes frères, mes soeurs, la marche avec Dieu est passionnante. Dieu est réel. Dieu est réel. Il est esprit. Tu ne peux pas le voir. Mais c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. On ne peut pas lui donner une forme. C'est lui qui a créé l'eau. Regarde la forme de l'eau. C'est lui qui a créé l'air. Regarde la forme de l'air. C'est lui qui a créé la lumière. Regarde les herbes. Regarde les arbres. Regarde les animaux. Regarde nous-mêmes les hommes. Tu as donné quelle forme à Dieu? Shekinah bread. Alléluia. Ah, c'est passionnant. Comme David, j'ai dit, Seigneur, je veux rester toute ma vie dans ton sanctuaire. On a la paix, la paix, la paix. Jésus m'a libéré. Ça dit, nos problèmes viennent de notre désobéissance. Mais si on veut marcher dans les voies du Seigneur, on vient dans le sanctuaire. Ce que Dieu dit de faire, on fait ça. Tout va bien pour nous. Mais comme on redit le coup là, quand il dit, fais comme ça, tu veux faire pour toi. C'est ça, le problème arrive. Deuxième décision, laisse Dieu te transformer. Décide que Seigneur, je me dispose à ce que tu me transformes. Transforme-moi. Que je devienne la version de ce que tu veux que je sois. Vous voyez, ce n'est pas pour changer vos noms. Hein. Mais en général, le Seigneur a symbolisé ça dans la Bible en changeant leur nom. Abraham, il est devenu Abraham. Saraï est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Dieu a symbolisé ça très souvent. Ce n'est pas tous, mais c'était pour dire qu'il y a la version qui sort d'Égypte et il y a la version qui doit rentrer à Cana. Tu dois devenir une autre personne. Et la parole transforme. Ce n'est pas que tu as changé de style pour devenir bizarre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Mais chaque jour, il y a des choses qui se passent. De sorte que ceux qui te connaissaient disent, t'as changé, hein? Ils voient une meilleure version. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Et plus tu deviens la meilleure version que Dieu veut que tu sois, il y a des dimensions de vie dans lesquelles tu entres. Il y a des dimensions parce que ce que tu es là, ça crée une dimension. C'est comme ça. Alléluia. J'ai cité le troisième point et ce sera le dernier. Et mercredi prochain, si Dieu permet, on en parlera encore. Les différentes décisions. La troisième décision, décide de bien gérer ton temps. Eh oui, décide de bien gérer ton temps. Mes frères, mes sœurs, beaucoup s'amusent avec le temps. Dans le temps, il y a aussi les saisons. Il y a les saisons du climat et il y a les saisons de nos vies. Beaucoup jouent avec le temps. Ça dit qu'une journée qui passe, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous, tu... Il y a des gens qui peuvent traîner comme ça toute la journée. Ou bien peut-être tu travailles déjà, mais un week-end, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fous avec ce week-end, tu es là. Il n'y a aucun projet, rien n'est décidé. Et tu vas regretter. Hein. Ça dit, tu ne sais pas où ta vie va. C'est, tu partais à l'école, les gens ont fait emploi du temps pour toi. Mais là, toi-même, là, tu n'as pas emploi du temps. Quand on laisse ta vie comme ça en tes mains, là, comment tu vas gérer ton temps, là, tu ne sais pas. Donc tu es là comme ça, quelqu'un dit, on sort. Je mets quelque part, tu m'accompagnes, tu l'accompagnes. Je n'ai pas dit de ne pas accompagner quelqu'un. Mais comme tu ne sais pas à quoi sert ta vie, tu t'accroches à tout ce qui passe, tu t'en vas faire. Et puis après, tu vas regretter parce que ce temps-là, il devait servir à quelque chose. Ce temps devait servir à quelque chose. La Bible dit quoi dans Ecclésiaste? Ecclésiaste, on va lire. Vous jouez avec le temps, vous êtes là comme ça. Alors que chaque temps doit être meublé par quelque chose. Quand le temps est passé, c'est fini. Tu ne peux plus revenir. Il aura un autre temps, hein? Mais ce n'est pas le temps. Tu peux toujours faire quelque chose que tu n'as pas pu faire. Mais tu es en décalé. Tu es un peu en retard.
Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous voyez? Ici, c'est Salomon, le roi Salomon, fils de David, qui était très, très sage. Dieu lui a donné une grande sagesse. Il écrivait beaucoup de choses sur la vie. Et tous ceux qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est esprit, il ne va pas venir écrire quelque chose. Il inspire quelqu'un et puis la personne écrit. C'est ça qu'on appelle la Bible. Ce sont les écrits divins. Mais comme le Saint-Esprit ne va pas venir écrire sur papier, là, ou bien écrire, voilà, à l'époque, ce qu'ils écrivaient. Il inspirait des gens. Donc ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Pour dire que c'est vrai, tu es sur la terre, tu as l'impression que tu as tout le temps. Mais sache qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que tout le temps que tu as là, il faut savoir à quoi sert chaque temps. Il y a un temps pour toutes choses et il y a toutes choses aussi pour un temps. C'est-à-dire ce temps qui est là, c'est le temps de quoi? Il faut identifier, c'est le temps de quoi? Vous voyez, quand tu gaspilles ta vie là, quand tu gaspilles ton temps, c'est ta vie que tu es en train de gaspiller. Parce que quand on te dit ta vie, c'est un certain temps à vivre. Donc quand tu gaspilles ton temps, c'est ta vie que tu gaspilles. Si tu as gaspillé la journée d'aujourd'hui, elle ne reviendra plus. Tu n'en as qu'une seule. Une seule dans toute ta vie. C'est comme ça. Alléluia. Quand tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ta vie. Donc, tu dois te demander, chaque temps sert à quoi? Ce temps-là, c'est le temps de quoi? Même le repos, il doit être organisé. Il y a un temps pour se reposer. Mais c'est le temps de te reposer. Tu vas regarder des films de manière indéfinie. Et puis maintenant, tu prends le repos de l'autre journée. Là. Et la journée arrive et tu ne t'es pas suffisamment reposé. Donc, tu commences la journée faible. Tu commences la journée, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'inspiration qu'il faut. Il y a des choses que tu devais faire en cette journée. Il y a un temps où tu dois aller dormir pour que le corps se repose. La manière dont on recharge les batteries de nos portables, le corps a besoin d'être rechargé. Mais quand le temps du sommeil finit, tu dois te lever parce que ce n'est plus le temps de dormir. Il y a des gens, eux, ils exagèrent aussi dans le sommeil. Ils dorment. Pourquoi Dieu a fait 24 heures? 24 heures, ça fait 8 trois fois. Et très souvent, le travail, là, le temps du travail, là, c'est 8 heures. Dans les 24 heures, là, il y a 8 heures pour dormir. Il y a 8 heures pour travailler. Et les 8 autres heures, là, c'est dedans que tu enlèves ton temps où tu manges, ton temps où tu circules pour aller au travail, pour revenir, ton temps où tu es à la maison, ton temps où tu pries. C'est les 8 heures là, qui te reste à ça, tu gères. Donc, quand tu as 30 ans, ça veut dire que tu as dormi pendant 10 ans. Parce qu'il y a 8 heures de sommeil en chaque 24 heures. C'est le temps normal. Tu peux dormir peut-être 7h30 ou 7 heures. Mais quand tu dors en dessous chaque fois de 7 heures de sommeil, tu as 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, et puis tu continues d'accumuler. Là. L'organisme n'est pas suffisamment reposé. Parce que le temps normal, ça doit être 8 heures de sommeil. Pour les enfants, c'est plus. Il y en a 10 heures, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais l'adulte doit au moins avoir 8 heures de sommeil ou bien 7 heures pour que le corps se repose bien. Amen. Il y a des familles à 21h30, en tout cas 19h30, ils ont mangé. Ou bien 20h, ils ont mangé. Jusqu'à 20h, 21h30, tout le monde doit se coucher. C'est très bon. 22h tout au plus. Quand tu dors à partir de 22h jusqu'à ce qu'il soit minuit à 2h. Si tu dois te lever à 6h, ça te fait 8 heures de sommeil. Mais il faut que la nuit aussi, tu te lèves au moins 30 minutes pour prier. Donc si tu avais 8 heures de sommeil, que tu as 30 minutes de prière au milieu, dedans là, ça veut dire que c'est à 7h30 de sommeil. C'est déjà bon. Maintenant, si par exemple, là, tu ne sais pas à 6h que tu dois te lever, mais toi, il faut dormir à partir de 21h30. Là, tu as plus de temps de sommeil. Même 21h, tu peux dormir.
Mais si demain tu dois aller au travail, tu dois regarder les films, tu dois regarder les films, tu dois regarder les films. Ou alors le week-end, le lendemain, c'est vrai. Tu dois me lever tôt pour aller faire au moins ma marche, faire mon sport. Je dois dormir tôt. On peut prévoir, peut-être si vraiment vous avez besoin de regarder un film, au moins une fois par semaine, mais pas n'importe quel film non plus. Parce qu'il y a aussi le temps où on doit se distraire. Mais la distraction, il faut bien trier. Ça peut être un livre chrétien que tu lis, ça peut être de la musique chrétienne que tu écoutes, même en travaillant, ou alors voilà, en famille, vous pouvez même faire des jeux de société en famille. Mais il y a un temps qui est bien défini. Quand le temps a fini, on se lève. Parce qu'il faut aussi partager entre famille. Il y a des temps de prière, des temps aussi où on rigole ensemble, on est autour d'un film, mais le film, on doit regarder l'heure. 1h30 de film, mais tout au plus 2h, mais peut-être le week-end, parce que la famille doit communier. Ou bien monsieur et madame, vous passez un temps ensemble qui entretenez votre relation, vous rigolez ensemble. Ça, ce sont des choses c'est à définir. Mais il peut y avoir des petits changements parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons les réalités de chaque jour. Mais au moins, tu as un emploi du temps. Même à l'école, quand on a un emploi du temps, souvent, des fois, on ne suit pas, mais au moins, il y a un emploi du temps. Mais toi, ta vie, là... Oui, on dort un tiers de nos vies. Hein. Si tu as 30 ans, c'est que tu as dormi 10 ans. Comme ça. Si tu as 60 ans, c'est que tu as dormi 20 ans. Tu vises ton âge en 3. Tu vas voir combien de temps tu as dormi. 24 heures, ça fait 8, 8, 8. 3 fois. C'est comme ça Dieu a fait les choses. Dans nos moments, il y a 8 heures de sommeil. Si tu dois te lever à 5 heures du matin, là, hein, déjà à 21 heures, il faut dormir. 21 heures, il faut dormir. Comme ça, ton corps, il est bien reposé. Même 7 heures de sommeil, même, c'est bon. Si régulièrement, tu dors 7 heures, parce que tu as 1 heure, mais 1h30 dedans, tu dois te lever la nuit pour prier. Organisez-vous. Non, je peux passer mon temps en train de regarder les films, alors que mon organisme a besoin que je me repose. Ce corps-là, tu vas le tenir jusqu'à ta vieillesse. Il faut en prendre soin. On ne mange pas n'importe quoi, on ne boit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Vous mettez tout dans votre corps. Or, c'est ta vie qui est dedans. Il ne se repose pas. Portable, tu ne charges pas, mais instantanément, il s'éteint. Hein? On a besoin d'être rechargé. Le sport aussi, ça recharge les batteries. La marche. Fais pas n'importe quel sport. Il faut faire un sport qui te va. Il y en a, c'est vélo. Il y en a, c'est les sauts. Il y en a, c'est la gymnastique. Moi, c'est la marche. J'aime bien la marche. Marcher. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses en marchant beaucoup. Parce que moi, tu es là, tu es lourd, tes pieds sont lourds, tout ça. Mais quand il commence à marcher, avant je le faisais, mais maintenant je le fais régulièrement. Là. Tout ça, c'est fini. Il peut soulever mon pied facilement, il peut faire les choses, monter les escaliers, tac. Donc, il y a des choses desquelles vous vous débarrassez. Hein. Boire beaucoup d'eau, marcher. Ou alors le sport qui te va. Il y en a, ils préfèrent faire du vélo, il y en a. Il faut choisir. Mais on dit au moins 3 fois par semaine. Si tu n'as pas le temps, mais ceux qui peuvent faire 30 minutes chaque jour aussi, c'est bon. Si tu as une salle de gym chez toi, mets-toi à ta terrasse, ou bien le quartier, tu fais un tour, 30 minutes, tu reviens, tu te laves, tac, tu es parti. Ou bien le soir, quand tu descends du travail, allez, tu enfiles un truc, 30 minutes chaque jour. Hé, on doit vivre longtemps. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Donc, je parlais du temps. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Il faut prendre l'importance du temps au sérieux. Alors, un homme de Dieu a prêché, il a dit que bon, c'est aussi une réalité scientifique, hein. Mais ils ont expliqué ça dans nos formations. Et on dit, il y a des saisons dans nos vies, de 0 à 25 ans, de 25 ans à 50 ans, de 50 ans à 75 ans, de 75 ans à 100 ans. Ça fait 25. Maintenant, ceux qui sont plus vigoureux, ils iront encore de 100 ans à 120. Dieu a dit 120, sinon 125, 130, ça dépend. Ceux qui arrivent à partir de 100, là, c'est que vraiment, c'est la grâce. Mais de 0 à 25 ans, là, normalement, tu dois avoir fini tes études. Ou alors, si c'est une étude, une longue étude tu fais, mais au moins, tu es presque vers la fin. Peut-être que tu veux devenir médecin, ou bien tu veux avoir, je ne sais pas, doctorat. Tu es déjà en plein dedans, tu as presque fini. Ou alors tu as fini, tu as déjà choisi ton métier. Mais ce n'est pas à 25 ans là, maintenant tu es en train de voir. C'est quel métier mais il y a fait, tu es perdu là. Il y a un problème. À 25 ans, ta vie doit être fixée. Amen. 25 ans, peut-être tu n'es pas encore marié, mais normalement tu dois savoir avec qui tu seras toute ta vie. Normalement à 25 ans.
Je ne suis pas en train d'expliquer ça pour que vous commencez à vous inquiéter, vous alarmer, non. Voici comment on nous a expliqué. Mais c'est la probabilité. Mais au moins, quand tu connais les saisons, tu sais comment t'organiser. Parce que même les bébés, on dit l'enfant à 3 mois, il s'assoit. Le bébé qui ne s'assoit pas à 3 mois, mais après, il marche même plus vite que ceux qui sont assis avant. Donc, ce n'est pas parce qu'à 25 ans, tu n'as pas encore eu quelqu'un ou bien tu as dépassé 25 ans, tu n'as pas eu que ça veut dire que tu ne vas pas avoir. Chacun a son rythme. Mais au moins, on connaît les saisons. On sait qu'à tel mois, l'enfant marche. À tel mois, il pousse les dents. À tel mois, il s'assoit. À tel mois, il fait 4 pattes. Voilà, les saisons sont là. Donc, vous devez connaître aussi les saisons de la vie. De 0 à 25, c'est là que tu es né. Tu marches. Tu découvres la réalité. Tu vas à l'école ou bien tu fais ta formation. À partir de 25 ans, tu dois normalement rentrer dans la vie active. De 25 ans à 50 ans, de 25 ans à 50 ans, au milieu là, tu as 25 ans là au milieu pour faire tes enfants, pour être productif financièrement, pour commencer à réaliser des choses. De 50 ans à 75 ans, tu es déjà en plein dans la réalisation. Tu es maintenant dans l'âge de l'impact. Normalement, tous tes enfants, ils sont déjà nés. Normalement, ton couple là, vous êtes ensemble et puis vous êtes déjà matures dans le foyer. Mais comme je dis là, c'est à quelques différences près. Moi-même, mes enfants là, ils tous n'ont pas marché au même année. Ils n'ont pas, ils ne sont pas assis au même mois et tout ça. Donc, il ne faut pas te stresser, mais tu dois connaître les saisons pour savoir dans quelle fourchette tu es. Maintenant, il y en a, Dieu n'a pas suivi comme ça parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Tu as connu le Seigneur au milieu de tout ça. Donc, lui, Dieu, il te réorganise pour te faire rentrer dans le plan. Peut-être que tu étais marié, ça n'a pas marché. Dieu te réorganise parce que maintenant, tu es à fond avec lui. Il est en train de réorganiser pour te faire rentrer dans le plan. Donc, tu peux te marier à tout âge là. Vous comprenez? Tu ne peux plus faire enfant, tu peux adopter. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi il y a certaines femmes qui n'enfantent pas? Pourquoi il y a certains hommes qui n'enfantent pas? Seigneur, pourquoi? Je priais comme ça, puis Dieu m'a dit. Mais parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des enfants qui n'ont pas de maman. Il y a des enfants qui n'ont pas de papa. Donc, c'est eux, ils n'ont qu'à aller chercher les enfants là. Si tu prends un enfant, tu l'aimes, il n'a pas besoin de sortir de tes entrailles. C'est ton enfant. Tu l'as pris bébé ou même tu l'as pris enfant. Tu l'éduques, tu lui donnes ton nom, tu tout ce qu'il faut. L'enfant va t'aimer, il va te rendre heureux. Il va te rendre heureuse. Donc, tu peux prier pour que Dieu te donne. Mais s'il t'a déjà donné, que ça ne suffit pas, tu veux encore prendre, tu peux aller adopter un enfant qui est là, qui est assis à l'orphelinat, qui attend que quelqu'un vienne le chercher. C'est ça. Il y a des enfants que d'autres ont enfantés, ils ont déposé, ils sont partis. Ils cherchent des parents. Tu n'as pas besoin de mettre ton enfant au monde. Même Jésus, est-ce que c'est Joseph qui l'a enfanté? Mais Joseph s'occupait de lui comme si c'était son enfant. C'est pour ça qu'on appelait Jésus le charpentier. Parce que qui était charpentier? C'était Joseph. Mais il a éduqué cet enfant. Il l'a aimé. On appelle Jésus le descendant de Joseph. C'est comme ça. Donc, il faut savoir qu'il y a des saisons de la vie. Donc, quand toi, tu es de tel âge à tel âge, et puis tu es en train de t'amuser indéfiniment, quand j'étais partie en Côte d'Ivoire, souvent tu es en train de passer, tu vois des jeunes, c'est pas qu'ils sont allés à l'école, ils sont venus, ils sont en train de se relaxer un peu, mais eux, c'est leur travail du matin au soir, tu les vois, ils sont assis là devant la porte, attroupés, avec leurs amis, en train de jouer les jeux de société. Mais c'est pas possible. Vous êtes jeunes, là où vos pieds peuvent bouger, vos mains peuvent bouger là. Vous jouez des jeux de société comme les vieux qui sont retraités, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont tout réalisé, qui profitent de leur vieillesse, qui prennent un peu de café, qui jouent les jeux. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, ça se comprend. Toi, tu es jeune, tu es en train de jouer. Non, mais tu vas souffrir dans ta vieillesse, toi. Quand tu vas voir tes amis, les gens de ton âge, qui sont en train de réaliser des choses, tu vas dire, mais quand toi, tu jouais là-bas, il faut sortir. Hein. Vous devez savoir dans quelle étape vous êtes ici. De 50 ans à 75 ans, c'est l'âge maintenant de l'impact. Là où tu es devenu maintenant un doyen dans ton métier. 50 ans là, tu n'es pas encore vieux. Mais juste parce que tu atteins 75 ans, tu n'es pas vieux. Mais là maintenant, tu transmets ce que tu as appris. Tu commences à, par exemple, si tu as travaillé. Là, mais à ce niveau maintenant, tu cherches maintenant à créer peut-être une formation pour pouvoir transmettre ce que tu as. Ouvrir des écoles ou bien ouvrir aussi ta société. Tu es dans l'âge de l'impact. Si tu as des moyens, c'est maintenant que tu vas chercher à développer ton village, faire des rencontres pour éduquer les gens. C'est l'âge où on transmet. De 75 ans à 100 ans, là tu es un peu plus vieux, tu cherches à entretenir ta santé, tu es toujours dans l'impact, mais tu es dans l'objectif de vivre longtemps. Tu deviens une figure, un exemple, et pour ta famille, et pour tout le monde. Chacun veut atteindre ça. De 75 ans à 100 ans,
Maintenant, si Dieu t'a donné au-delà des 100 ans, c'est à lui. Il sait pourquoi. Et là encore, tu peux toujours garder ta vigueur et puis continuer d'impacter. Maintenant, si toi, tu ne sais pas que ça, c'est le temps de ça, là. Je dois à cet âge-là pouvoir trouver l'homme de ma vie. Je dois à cet âge pouvoir trouver la femme de ma vie. Et on ne les ramasse pas comme ça. Ça veut dire que le premier point où on dit deviens sérieux avec l'Éternel. Parce que Dieu sait qui est l'homme de ta vie. Dieu sait qui est la femme de ta vie. Mais comme ta vie spirituelle aussi, tu ne prends pas au sérieux. Donc tu es perdu dans le désert là. Tu ne trouves même pas la bonne personne pour dire que tu vas rentrer dedans. Tu prends quelqu'un, tu rentres. Et puis après, tu vois que ce n'est pas ça. Maintenant, tu dois recommencer encore. Mais parce que tu n'as pas été sérieux, le premier point, tu n'as pas pris l'Éternel pour Dieu. Quand l'Éternel est ton Dieu, chaque jour tu médites sa parole. Chaque jour tu es à son écoute. Tu vas produire les fruits en chaque saison. En chaque saison, chaque chose de chaque temps va se faire. On va lire le dernier passage. Psaume chapitre 1. Ne jouez pas avec votre vie. Vous êtes édifiés, non? C'est ça, là, nous, on est en train de prier. La nuit, on se lève. Cette nuit-là, je me suis levé au moins. J'ai fait 2 heures du temps avant d'aller me coucher encore. En train de prier, en train d'écouter Dieu, en train de lire la parole pour qu'il me parle, pour que je vienne donner le message qui va nourrir votre âme. Chacun a son boulot. Maintenant, Dieu dit, nous, on fait notre travail. Toi aussi, quand tu vas au travail, tu apportes tes dîmes, tes offrandes, tu soutiens pour qu'on puisse payer les factures. Il y en a qui disent non, eux, ils ne peuvent pas donner. Donc, tu n'as pas joué ton rôle pendant que nous, on joue le nôtre. Là, là, tout ce que tu es en train de recevoir, là, ça va clarifier ta vie. Tu vas savoir où tu vas. Mais il faut que quelqu'un se consacre pour que Dieu lui parle comme ça, pour qu'il vienne te donner comme nourriture. Chacun a son boulot. Chacun a son boulot. Psaume chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La parole, elle est puissante. De qui tu t'entoures? Qui t'impacte? Dans les saisons de ta vie, là, ne te colle pas à n'importe qui. C'est ça qui met en retard. Si tu suis, on dit si tu suis 9 pauvres, si tu marches avec 9 pauvres, tu n'as pas bien compté, vous êtes 10. Tu es la 10e personne pauvre. Si tu marches avec 9 intelligents, tu n'as pas bien compté. Si tu marches avec 9 sages, tu n'as pas bien compté, vous êtes 10. Vous êtes 10 intelligents. Attention, avec qui tu marches. Vous êtes avec des gens qui n'ont aucun objectif. J'ai prêché pour dire, vous êtes avec des amis de moquerie, de moi, me moquer des gens. Et puis, c'est ça devient l'objectif de votre vie. Mais vous allez regretter. D'ailleurs, même, c'est un péché. Dieu est fâché contre vous. Et vous êtes en retard parce que vous êtes dans la bassesse. Ça, c'est la basse cour. En train de chercher les grains par terre, là, alors que l'aigle voit loin. L'aigle voit loin. Vous êtes dans le poulailler en train de chercher les grains par terre. Écoute-moi. Les poulets, là, la poule, le coq, ils ont des ailes, mais ils ne volent pas. Si tu es en train de chercher les petits grains par terre, tes ailes, on va te servir à voler. Ça sera juste là, comme ça. Voilà. Il y a des gens, ils ont des ailes, mais ils ne volent jamais. S'ils volent, c'est juste un peu, ils reviennent encore. La poule a des ailes, mais ne vole pas. Attention. Tu peux avoir des qualités, puis jamais tu ne les utilises. Jamais. Jamais. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Tu t'entoures de qui? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pendant qu'on te prêche, il y a d'autres qui vont te dire d'autres choses. C'est les méchants. On dit soutiens l'église, la moisson avec ce qu'on fait. Ça, tu as édifié, ta vie est en train d'avancer. Il y en a qui vont te dire des escrocs comme ça. Les pasteurs, on les connaît tous. C'est des escrocs. Ils vont t'escroquer. Ça va être là-bas, ça c'est l'escroquerie. Ça c'est le méchant. Le conseil qu'il te donne là, ce n'est pas selon la voix de Dieu. Il dit, pasteur, va t'escroquer. Dieu a dit, Jésus a dit, il y aura des faux pasteurs. Mais au moment où il disait ça, lui-même, Jésus n'était pas faux. Mais il a dit, il y a des faux. Ça veut dire qu'il y a des faux et puis il y a des bons. Il y a des vrais. Et le vrai t'enseigne selon la droiture. Et il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est ce que ça produit. Est-ce que depuis que tu me suis là, tu as plus envie de te rapprocher de Dieu ou pas? Tu as plus envie de prier ou pas? Tu as plus envie de mettre la sanctification dans ta vie ou pas? Tu as plus envie de chercher Dieu ou pas? Est-ce que ta vie ne commence pas à ressembler plus à Jésus ou pas? Ça veut dire que c'est ça le fruit que je produis. Donc Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment dans ma vie. Dieu est vraiment dans la vie de mon mari. On est vraiment en train de vous communiquer le Seigneur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Une telle œuvre là, j'envoie ma dîme, j'envoie mon offrande pour que ça avance. C'est comme ça. Dans tous les cas, l'argent sera dépensé.
Même si tu ne donnes pas 10 offrandes, tu vas dépenser ça quelque part. C'est comme ça. Ce que tu aimes, c'est ça qui prend ton argent. Tu aimes la cigarette prend ton argent. Quand moi, j'étais institutrice, là, c'est comme ça, j'ai une collègue, là, elle me dit que j'étais en train de faire mes calculs, j'ai mis 10 offrandes. Puis elle dit que, hé, toi là, tu t'as mis ça où? Et elle me met à l'église. Elle dit que, hé, ça là, les pasteurs bouffent votre argent. Et là, dans la réponse, que l'argent sera bouffé. Dans tous les cas, l'argent est bouffé. Si tu aimes la cigarette, qu'est-ce qui bouffe ton argent? Elle dit cigarette. Elle dit, ah. Si tu aimes boire, qu'est-ce qui bouffe ton argent? L'alcool. Elle dit oui. Elle dit, ah. Tu aimes les boîtes de nuit, qu'est-ce qui bouffe ton argent? C'est la boîte de nuit. Tu aimes les femmes, qu'est-ce qui bouffe ton argent? Les femmes, tu aimes les bijoux, qu'est-ce qui bouffe ton argent? C'est bijoux. Moi, j'aime Dieu. Dieu va bouffer mon argent, ma chérie. Laisse ça. Elle a quitté devant moi. Elle dit, tu aimes, moi, j'aime Dieu. Donc, Dieu va bouffer mon argent. C'est ce que tu aimes. C'est ça qui bouffe ton argent. Sachez ça. C'est ce que tu aimes qui bouffe ton argent. Donc, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, la manière dont vous êtes en train de vous connecter à Dieu pour pouvoir lire sa parole tous les jours, pour pouvoir méditer sa parole tous les jours, vous serez comme des arbres plantés. Vous serez comme des arbres plantés près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. En chaque saison, vous allez produire. En chaque saison, vous allez produire. Donc, si c'est saison de ceci, si c'est la saison pour avoir du travail, tu auras. La saison pour avoir des économies, tu auras. La saison pour pouvoir réaliser des choses, tu vas réaliser. La saison où tu vas avoir de l'impact, tu vas avoir. La saison où tu vas te marier, tu vas te marier. La saison où tu dois faire des enfants, tu vas donner les fruits en chaque saison. Il faut savoir en quel temps tu es, en quelle saison tu es. Et ton attachement au Seigneur va te faire produire les fruits de chaque saison. Ça va t'emmener à faire chaque chose en son temps. Parce que le temps n'est pas juste là. Ce que tu fais aujourd'hui, le résultat va te venir t'aimer. Ce que tu as aujourd'hui, là, c'est ce que tu as posé comme acte hier. Là, c'est ça qui te donne résultat aujourd'hui. C'est comme ça. Les fruits que tu vas manger demain, là, c'est aujourd'hui que tu plantes l'arbre. La maison dans laquelle tu vas dormir demain, c'est aujourd'hui que tu la construis. Le travail que tu vas faire demain, c'est aujourd'hui que tu es en train d'apprendre ça. C'est comme ça. Chaque jour enfante le suivant. Chaque saison enfante la saison suivante. Chaque année enfante l'année qui suit. Qu'est-ce que vous faites de maintenant? Le temps d'aujourd'hui, là, c'est le temps de quoi? Si c'est le temps de la semence, tu n'as pas semé, là, au moment de la récolte, il ne faut pas penser que tu vas récolter quelque chose. Si aujourd'hui est le temps de la semence et puis tu n'as pas semé, il ne faut pas penser que tu as récolté quelque chose au temps de la récolte. Parce qu'au temps de la sémence, tu étais distrait. Donc, tu ne peux pas récolter. Donc, chaque temps sert à quelque chose. La Bible dit, observe la fourmi. Quand c'est l'été, elle amasse. Pour qu'en hiver, elle ait à manger. L'été, au moins, ça va bien chez toi. Au moins, tu as des entrées. Tu prends pour faire n'importe quoi. Tu achètes des habits alors que tu n'as pas besoin. Tu achètes des chaussures alors que tu n'as pas besoin. Tout ton argent rentre dans des choses inutiles. Tu n'as pas d'économie. La part de Dieu n'est pas réservée. Ah, mais comme je n'ai pas d'économie, je vais tout prendre pour mes... Je ne vais même plus donner mes dîmes, mes offrandes. Le dévoreur est là. Il y a des gens qui ont eu des millions. Au moment où tu vas acheter terrain, tu tombes sur une fausse affaire. Au moment où tu vas acheter une maison, tu tombes sur une fausse affaire. Ou alors des ouvriers qui viennent et puis ils dilapident tout. Des choses t'arrivent. Il n'a pas dit non plus que si tu perds ta dîme, tu ne vas pas traverser des épreuves. Mais il sera avec toi. Il va toujours te faire rattraper. Il va calmer la tempête comme il a fait pour les disciples. Lui avec nous, c'est ça l'assurance. Il n'a pas dit rien ne va nous arriver. Mais lui avec nous, c'est ça l'assurance. Mais quand il n'est pas avec toi, tu n'obéis pas à ce qu'il dit. Alors tu gères toi-même tes choses. Tu gères toi-même tes dévoreurs. Donc tu dois savoir, tu es dans quelle saison. Quelle est la part de Dieu? Ce n'est pas tes habits là que demain tu vas prendre pour dormir en bas. Quand tu vas devenir vieux, tu vas devenir vieille. Si tu es en Europe, ici la plupart des fois, les gens ils achètent. Ils prennent des prêts, ils achètent un peu. Tu ne peux pas arriver la vieillesse et puis tu es toujours en train de louer une maison. Tu dois payer. Bon, maintenant, si tu as des réalisations,
pour ceux qui ne sont pas originaires de ta réalisation au pays et qu'ici tu loues, ça se comprend. Mais sur toute la face de la terre, il faut qu'il y ait quelque chose qui porte ton nom. Soit des terrains construits où les maisons sont en location puis tu as des revenus. Soit ton domicile, au moins où tu es là, ça porte ton nom. Dieu donne la terre aux hommes. Mais toi, il n'y a même pas une partie mais où il y a ton nom quelque part. Il y a un problème. Et puis tu quittes la terre comme ça, il y a un problème. Je ne vous dis pas d'aller voler. Mais Dieu qui donne la semence et la récolte, si tu te consacres, si tu lui dis à partir de maintenant, tu deviens mon Dieu, je veux prendre ma vie au sérieux, Seigneur, dirige-moi. Tu vas voir, le Seigneur va commencer à te diriger, tu vas commencer à produire les fruits pour que tu aies des réalisations. Parce que Dieu a prévu pour chacun. La manière dont tu as ta tête, tu as tes yeux, tu as tes mains là. Ce n'est pas la richesse de quelqu'un que tu vas prendre. Quand tu vas commencer à réussir là, c'est ce que Dieu, ton paquet que Dieu a prévu là, c'est dedans que tu vas rentrer. Tu ne peux pas regarder à travers les yeux de quelqu'un. Tu ne peux pas manger avec la bouche de quelqu'un. De la même manière, tu ne peux pas réussir de la réussite de quelqu'un. Pour toi, elle est là. Rentre dedans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier que Dieu vous donne la force d'obéir à sa parole, de prendre des décisions importantes pour que vous puissiez croître. Recevez la vie de Dieu. Recevez sa révélation. Recevez sa puissance. Recevez son onction. Recevez sa gloire. Recevez-le. Qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous enseigne, qu'il vous révèle la puissance de la marche avec lui, la puissance de faire de l'Éternel son Dieu, la puissance de rentrer dans les alliances, des dîmes et des offrandes pour soutenir son œuvre, la puissance de méditer sa parole, la puissance d'avoir une vie de prière, de combat spirituel, la puissance de proclamer, la puissance de poser des actes et de ne pas laisser les saisons de sa vie comme ça couler et d'aller vers afin de produire des résultats et des fruits en chaque saison. Recevez le Saint-Esprit, recevez la révélation de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ah, le bus là, ça chauffe dedans, hein? Yeah! Le bus là, spirituel. Félicitations, félicitations. Bravo, 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 bravo. Voilà, pour les annonces, ici, on fait les cultes ici tous les dimanches. Rejoignez-nous. Vous qui êtes en Europe, vous venez prier à Tourcoing. Voilà. Ceux qui veulent donner leurs offrandes, leurs dîmes, j'en ai déjà parlé. Prenez nos contacts, enregistrez ça. Ça s'appelle le guichet unique 0033 7 51 51 25 16. Écrivez, écrivez, écrivez. Les autres, vous notez. Vous écrivez. Et puis nous, dès qu'on est libre, on vous répond. Je vais apporter ma dîme au Seigneur. Je vais apporter mon alliance financière. Je vais apporter mon offrande d'action de grâce. Et là, on a fini le jeûne. Ils nous ont dit bye bye, ils sont partis. Alors qu'on a parlé de projet. Donc, que Dieu touche vos cœurs, que chacun s'engage pour pouvoir soutenir cette œuvre et qu'on puisse avancer dans les projets. Donc, chaque mois, faites parvenir vos dîmes, faites parvenir vos offrandes que vous voulez donner à Dieu et aussi vos offrandes d'action de grâce au 0033 7 51 51 25 16. 0033 7 51 51 25 16, guichet unique. C'est pas WhatsApp, vous écrivez, dès qu'on est libre, on vous répond. N'appelez pas parce qu'on est occupé. Mais quand vous laissez le message, soit audio ou bien écrit, nous, après, on vous répond, on vous donne toutes les coordonnées. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse déjà ceux qui soutiennent l'Église, la moisson. C'est grâce à vous qu'on arrive à avancer, à faire le travail, à acheter les appareils et tout, payer la salle chaque mois. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont soutenu déjà dès le départ, qu'on voulait ouvrir l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église de Lomé, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui veulent soutenir, qui n'ont pas les moyens, que Dieu vous donne les moyens. Et ceux qui sont voilà, en train de nous soutenir aussi, on veut faire un peu pour vous aussi, pour Burkina, et acheter le terrain pour faire le centre évangélique. Merci à vous tous, que le Seigneur, il vous rend au centuple, qu'il continue de vous donner les moyens pour qu'on puisse avancer. Nous, on fait le spirituel, et Dieu vous touche pour faire le côté financier, et nous serons tous récompensés parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà, ce samedi, on sera au Bervilliers pour la croisade. Pour vous qui êtes ici, là, vous sentez que l'onction augmente. On sent l'onction encore plus dans la parole. On sent l'onction dans les prières. Quelque chose se passe, donc ne ratez pas. Et vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous. Comme ça, sur Facebook, sur ma page, sur Réseau International Richesse, et sur la page de Papa CK, Révérend Roger CK, c'est que sur Facebook pour l'instant, sur Facebook qu'on fait les directs de la croisade. Donc ce samedi 9, on sera là, à Aubervilliers. Vous qui êtes ici là, ne ratez pas. Ne reste pas à la maison à te tourner les pouces, à broyer du noir. Viens prier. Quand tu n'as rien à faire, Satan te donne des occupations. Voilà. Donc viens prier. Viens prier. Venez, on va combattre spirituellement. On est toujours dans la croissance spirituelle, c'est ça le thème. Et cette fois-ci, on dit viser le surnaturel. Donc l'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers.
Voilà. Et nous avons deux retraites spirituelles en préparation ici à l'église dans le mois de... C'est ce mois-là, mars, à la fin. Ce sera la Pâque. La Pâque du samedi 30 au dimanche 31. Donc, vous pouvez nous écrire toujours au même numéro, guichet unique, là, 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations. Et ensuite aussi, nous avons la retraite spirituelle des Pentecôtes. C'est du 18 mai au 19 mai. Là, on sera en jeûne déjà. Donc, vous pouvez nous écrire aussi pour avoir les informations. Si vous venez de loin, vous allez louer votre chambre d'hôtel et venir prier à l'église, aller dormir et revenir. Voilà, ce sont des moments importants. Et ça sera aussi en direct pour vous qui êtes loin, les différentes retraites spirituelles. Donc, voilà. Voilà, on se prépare pour l'œuvre de Dieu. Bientôt, on va lancer le service de baptême. Début juillet, on fait les baptêmes. Baptême par immersion, plongé dans l'eau, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pourrez nous écrire si vous pouvez venir, hein. Pour commencer les cours. Les cours, on va les lancer en avril. Voilà, donc c'est sur WhatsApp. On vous envoie les cours, vous faites les cours. Et puis quand le temps de baptême arrive, vous vous déplacez pour venir à Tourcoing. Et on vous baptise. Donc on va bientôt annoncer. Voilà, le baptême, ce sera le samedi 6 juillet, ici à Tourcoing. Donc vous venez en retraite spirituelle, vous faites le baptême. Et puis le lendemain, dimanche, c'est le culte. On prend la Sainte Cène, c'est la fête. Voilà. Donc les cours de baptême vont commencer bientôt. On a fini pour aujourd'hui. Vous avez le bonjour de mon époux, le révérend Roger Sika. Je vais prier pour terminer. Et mercredi prochain, on sera encore en direct. Seigneur éternel, merci. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour l'enseignement. Merci pour les prières. Merci pour tes enfants connectés à travers les réseaux. Merci pour leur famille. Merci pour eux-mêmes. Merci pour les nations. Merci d'envoyer le réveil spirituel. Merci d'envoyer la paix là où il y a la guerre. Et de te révéler à travers le monde quand tu es à la porte. Merci au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, et puis à mercredi prochain pour le direct.